Pas ta case, elle s'est fait fouiller. Ouais. Bon, avec you. Salut tout le monde, bienvenue au On se barre le casse, épisode 90. Ouais! Yeah! 90! Yes, si Marco il s'est compté. Bravo! Full nice! Yeah! On demande tout le temps aux gens. Moi, j'ai hâte qu'on pop le sang, on va voir s'il est capable de skipper à 3 chiffres. Oh! Oh, le monde va s'écrouler, mon chéri. Le crash de l'an 2000, check bien ça. Ouais. Si vous avez deux minutes, allez liker nos shit. Si vous n'êtes pas abonné encore, abonnez-vous à notre page Facebook, ça nous aide. Sinon, si vous écoutez sur YouTube, abonnez-vous, puis si vous êtes sur iTunes, donnez-nous 5 étoiles. Puis Phil, t'as un commanditaire, je pense. Ah oui, absolument, absolument. le commanditaire cette semaine, c'est le même que les autres semaines. C'est Logo Pro. En fait, Logo Pro 37 pour la page Facebook, c'est un artisan qui fait des enseignes néons sur mesure. En fait, il travaille le LED. C'est, je dis néon depuis le début, LED, mais c'est LED. Là, c'est pas la même chose. Ce qui est semblable, mais ça c'est pas... Plus, ça consomme calissement moins d'énergie. Absolument, c'est ça les bienfaits de... Ben oui. Pratiquement mais... sauver la planète avec ça. Ah, absolument. Fait que, allez voir sur sa page, Logo Pro 37, pour ses réalisations. Il fait vraiment des belles affaires. Si vous avez besoin, en tout cas, c'est sur mesure. Là, comment ça fonctionne, si vous envoyez votre image sur sa page. Puis lui, dans le fond, va vous dire combien que ça peut coûter pour faire votre réalisation. Puis c'est ça. Puis nous, on va recevoir cette semaine ou la semaine prochaine notre propre enseigne au LED. On va voir le casque. Je sais pas exactement. Mais on va l'avoir dans les deux prochaines semaines. J'aime ça, tu leur as donné un contrat. T'as aucune idée de si grand que ça arrive. Il me semble que ça fait 8 épisodes. Ah, ouais. Oh, on va avoir un logo bientôt. Okay, on a fuck off de logo. ça veut juste être un gros doigt d'honneur. genre fil dit de la merde. Début novembre. Ah, ben là, peut-être décembre sur les chances. Ouais, 2020. Il faut juste mettre plus d'argent, puis il va nous l'envoyer. Il faut qu'il fasse débloquer le compte. Finalement, dans un épisode, je vais vous dire que je me suis fait flouer. Il est parti avec mon dépôt. Il fait de la pub en plus. Ça serait écœurant. C'est probablement pas vrai. On s'est pas encore fait flouer. Non, on vous garde au courant, gang. Non, jusqu'à voir du contraire, allez parler avec Pascal, vous allez voir, il est bien gentil. J'avoue, c'est des belles affaires. On vient de le traiter de voleur. Non, c'est pas vrai, il n'y a rien de ça qui est vrai. Ouais. On va préciser. Le GoPro 37. Comment dites? All right. Mais lui, il ne l'écoutera pas. C'est sûr, c'est sûr qu'il l'écoute juste au début. Oh, genre, juste le bout que, voilà, vous êtes comme deux handicapés qui essayent de faire du patin un peu. C'est quel épisode 86? Hey, vite! Le commanditaire, tout le monde! Ah ouais! Puis là, il vomit dans le micro. C'est génial! Hey! Nice. On vend du dom ton flex. On vend du rêve. On n'est pas publiciste. Ah oui. Sinon, vous irez écouter le Stoner Show si ça vous tente. Il y a Moby Phil qui sont passés la semaine dernière. Oui, super le fun, sérieux. Ouais, j'ai jamais été défoncé de même de ma crise de vie, mais c'était le fun. Ouais, non, c'est vrai, toi, tu fumes pas vraiment. Non, c'est quoi le Stoner Show? C'est toi qui paranoïde pendant une heure et demie. Ben, c'est pas si pire, là. Ça paraît pas tant que ça, mais dans ma tête, pour vrai, je suis comme, je vais crever ici. j'ai pris deux puffs, là, je suis comme, ben, je sais pas, ça doit être poli comme weed, je sens pas grand chose tout de suite, là. Tu sais, je venais de puffer, puis là, on lui demande le pourcentage de THC, puis là, il me dit que c'est style la cure pour le cancer, son crise de shit. Fait que là, 18% de THC. Ouais, 18-19. C'est pas que j'ai 4-5 puffs, c'est un acide de combat que je pense. Je fais OK, ça va. Hey, sérieux, quand il m'a dit 19, là, je l'ai senti en même temps. Tu sais, là, j'ai fait comme caliche dans la merde. Là, faut que j'ose. J'ai presque rien dit. Enfermé dans les toilettes. J'ai presque rien dit de tout l'épisode. Je me sentais plate, mais j'étais comme, je m'excuse, mais je m'écroule là, tranquillement, pas vite. Je peux rien faire. Je suis en train de fondre dans la chambre. Non, mais c'était drôle. C'est un bon épisode, moi, je pense. En tout cas, ça a été le fun. Ouais. Moi, j'ai eu bien du fun à faire ça. C'était cool. Oh, ouais, absolument. Moi, j'ai trouvé ça bien drôle. Absolument, oui. Oui. Puis, ouais, c'est ça. Sinon, on a notre Patreon, j'ai pas un nom, là, j'imagine il défile au... Vous connaissez. vous connaissez, tabarnak. Ben, là, pour merci pièces, beaucoup pour votre argent. Big deal. Non, désolé, je vais essayer de les sortir pour les sortir plus tard dans l'épisode... Normalement, je me fie sumate là-dessus, sauf que là, j'aurais pu prévoir qu'il était pas là. Ouais. Il y a eu la préparation habituelle. C'est moi qui étais énervé de partir, ça, là, je m'excuse. C'est pas grave. OK, on va présenter l'équipe à la console, Monsieur Philippe Lalonde. Yeah. Oh, bravo, c'est bon. Justin Wallet. Ah ouais. Avec la
belle moustache. Monsieur GF dénommé. Ouais. Et très content d'avoir avec nous cette semaine Monsieur Michael Ferreira. Ouais. What's up? Le portugais. Oh, fly. Yes. All right. All right. Ah, puis moi-même, Marco Lalonde. Je le nomme ah, jamais. C'est ce qu'on sent Chris, là. Altruiste. Par ça. Tellement. Tellement. Le fait. Il est tellement un. Je pense une fois sur deux, là. C'est pas une chance. Moi, j'y ai jamais pensé. On est chez toi. Puis tu me lips à chaque fois. J'ai jamais pensé juste dire merci. Ah, comment ça? C'est pas grave. Fait qu'en sujet d'intro, j'ai des faits qui sont déroulés samedi soir à Litchfield Park en Arizona, aux États-Unis. Yvonne Woodard, âgé de 65 ans, a demandé à son petit-fils de ranger sa chambre, ce que ce dernier a refusé. Fait que là, furieux, le garçon âgé de 11 ans a été chercher le pistolet de son grand-père. Je l'ai vu tantôt. Tu l'as vu? Ah oh, ouais, je l'ai vu passer, c'était écœurant. Fait qu'en tout cas, alors que ses grands-parents regardaient tranquillement la télévision, il est arrivé en arrière, puis il a tiré sa grand-mère dans la tête, puis après, il s'est Holy suicidé shit! Devant son grand-père. Holy shit! Joyeux Noël! Mais tabarnak, c'est arrivé quand? Samedi soir. Man! Ouais, pendant UFC, esti. Hey, ouais. Don't fuck with your kids. Ah hein? Non, lui... Ouais. Un petit joyeux lion pour le rire. Ouais, il devait pas. Le pire là-dedans, non. C'est que là, en plus que le grand-père, il a perdu sa femme, faut qu'il ramasse le cadavre, faut qu'il aille faire le ménage de la chambre du petit calice qui sait comment ça marche. Il a même pas pu finir d'écouter son émission. Non, probablement pas. Fait que le petit gars a gagné, dans le fond, c'est ça que j'entends. Non, il s'est tué ici, à la limite, il était en prison en disant je voulais pas la faire, ma chambre, tabarnak. Il demande ça tout le temps, ça a peut-être vraiment un toc, puis weird avec ça, puis lui, t'es plus capable. Il a 11 ans, vie quand même chargée, ce type là. Il y avait de la pression. La vieille madame, elle l'a fait chier. Fait que Chris, ben ouais. Dose dans la tête. C'est où ça, c'est où ça s'est passé? Ben, il habite avec ses grands-parents. Là. Ce petit gars-là, il est quand même abusé. C'est pour ça. C'est sûr. Ça fit le lieu géographique. Là. Ah oui, absolument. C'est en Arizona. En Arizona, c'est commun. Là. Regarde c'est, bien. C'est de coutume de c'est le contraire sans... qui est pas commun. La ville s'appelle, la ville s'appelle Litchfield Park. C'est presque Linkin Park, puis tout le monde sait que le chanteur, c'est quand même. Hein? Je pense que les signes étaient présents. Oh. Trop fort. Trop fort. In the end, it doesn't even matter. On commence avec Phil. Ouais. Yes. Cette semaine, j'ai préparé un petit quiz pour vous. Un petit quiz à savoir geek, en fait. C'est parce que cette semaine, c'est le quiz sur les jeux vidéo. Ouais. Là, j'ai pas vraiment de soundtrack, genre de. En tout cas. Ok, on va les commencer par les têtes. Yes, hey, merci GF. Ok, donc. Là, comment qu'il va répondre? C'est un quiz à il va manquer d'air, esti. juste pour expliquer pour Mickaël qui est moins habitué, en fait, c'est des quiz à choix de réponse. Parce que c'est déjà arrivé que quelqu'un juste comme crie à la réponse, je vais pas eu le temps de faire les choix, calice. Ouais, mais ça compte ça. Pareil, ça. Ben, c'est assez hot pour la crier toi, avant. Non, ça compte moi, pas. Moi, je défends le droit d'écrier à réponse si je la connais. Hey, okay. C'est moi l'arbitre, tabarnak. Si genre, Monsieur Moustache. Quel pays vient l'Halloween? C'était les Celtes, est-ce que je m'en souviens encore? Moi, avec, je m'en souviens. OK. Donc, au numéro 1, on y va vintage. C'est quand même assez vintage comme question, puis tout ça. Là. Mais en tout cas, au numéro 1, dans Super Mario Bros. 3, OK, combien y a-t-il de tableaux au total? A, 1, mais un esti de gros. B, 9. Ou C, 8. Donc, à tour de rôle, vous pouvez me dire la réponse. Ben, OK, vous pensez qu'il est la bonne? B. Donc, A, 1. B, 9. Ou C, 8. Je vais y aller avec 9. 9 pour Justin. Ouais. Ouais, j'ai dit 9, moi. Ouais, j'ai dit 8. 8? Très 8. 8? Ah, ben c'est 8 la bonne réponse. Yeah. On voit qu'on a des connaisseurs ici, donc on a un point pour Kev et un point pour Jeff. J'ai jamais passé le premier. J'avais les flûtes, je me souviens des flûtes, sont les flûtes. Ouais, moi je me souviens de jouer de la flûte au primaire, je me l'enfonçais bien cru dans la gorge. OK, au numéro 2, une question un petit peu plus technique. Au numéro 2, j'ai des petits troubles d'apprentissage. Donc, pour continuer, au numéro 2, quel jeu est à l'origine du gameplay pour le jeu de Super Mario Bros. De 1985? A, Donkey Kong Jr., B, Ice Climbers, C,
essayer d'enculer une femme. Hey boy! C'était un solide jeu de C, by the way, je me souviens. Ah ouais. Il avait fait en trois versions, cassette rose, cassette bleue, tout. On était le même jeu, mais c'était pas très pareil. Un tour de rôle, moi j'ai la réponse. Je peux te oui? Ice Climbers. Ice Climbers, ok. Moi aussi, c'est ça que je veux dire. J'aurais dit la même chose. Ouais. Ok, mais la prochaine fois, tu réponds en dernier. Parce que tout le monde a la bonne réponse. C'est ça, j'allais répondre anyway. Ouais. Je le savais. Ok, au numéro 3. Quelle est la console la plus vendue de tous les temps? Oh. A. Nintendo 64. B. Xbox 360. Ou C. PlayStation 2. Ah, PlayStation 2. Hein. J'ai allé Nintendo 64. Nintendo 64, Marco? Nintendo 64. OK. La PlayStation 2. Et c'est la PlayStation 2. Tabarnak, c'est ça. OK, c'est 3 à 3. Hey, là. C'est chez nous ici. Leur bord à table, il pue. OK. Au numéro 4, Yoshi n'est pas le nom complet du personnage que tout le monde connaît. Donc, lequel des prochains noms est le bon? C'est T, Yoshizar Munchakupaz. B, Yoshi Shunashi Kuikonga. Ou C, Bruni Surin. Je vais y aller avec le B. Hein. B, ça. Yoshi Shunashi Kuikonga ou T, Yoshizar Munchakupaz. Attends, c'est le premier, le A, c'est T, Yoshizar Munchakupaz. Okay, je garde le B. B, c'est Yoshi Shunashi Kuikonga. Je vais y aller avec Esti, le premier. Le premier? Ouais. Ouais, c'est B. C'est B? Moi, je dis B. Puis toi, tu dis? B. Ouais. B. Et c'est le A, en fait. Oh! Yeah! Une remontée! Oh, my God! All right. C'était un guess. Je connais mon mandarin. Le pire, c'est que je l'ai inventé, puis je fais « Chris, ça sonne bien, sinon, ça marche! » OK, au numéro 5, quel est le jeu le plus vendu de tous les temps? A. Tetris. B. Grand Theft Auto 5. C. 50 Cent Bulletproof. C'est-tu du qui? Toutes les consoles, tous les jeux, toutes les plateformes. Oui, ever. Oui, ever. Oh. Ever. Oui, ever. Oh. Je dirais Grand Theft Auto. Hein. Grand Theft Auto, OK. Tout en même temps, des jeux de Tetris, il y a du s'en vendre en tabarnak. Ben non, moi, j'ai tout le temps joué à ça gratuitement. Ça fait que je ne l'ai pas acheté. Ouais. Ouais, mais pense à genre toutes les places qu'ils en ont eues. Dans le temps, il y a des salons d'arcade. Donc, tout ta réponse, c'est quoi? Ma question, c'est fucking Tetris. C'est ça. Moi, je vais dire que j'y crois. GTA. C'est le seul jeu qui est en Union soviétique, tabarnak. Tetris. Tetris? Ouais. Ben, c'est Tetris la bonne réponse. Podcast de marde. Justin, puis Mickaël. On a Mickaël en tête. Mickaël en tête en ce moment avec 4 points. Juste en arrière, il y a Jeff, puis Justin. Puis bon, dernier, malheureusement, c'est Marco. Yeah! Ouais. OK. Super candide. Au numéro 6, ça, je sais pas. Peut-être que vous n'êtes pas au courant de celui-là. Au numéro 6, lequel des jugements suivants la Cour américaine a-t-elle rendu concernant un jeu vidéo en particulier? A. Le jeu Tetris sera banni entre 1979 et 1984 parce qu'il représentait une arme psychique utilisée par la Russie pour contrôler la jeunesse américaine. T'en parlais tantôt. C'est pas de la merde, là. B. Donkey Kong et King Kong sont deux singes distincts. C. La cour a ordonné à Nintendo de couper la fin du premier Metroid où l'on voit l'héroïne Samus se dévêtir et montrer une tenue provocatrice. Ben, c'est clairement ça. Dude, je sais pas. Donc A, Tetris banni en 79 et 84. Ouais, je vais avec celui que Justin. Ou Donkey Kong et King Kong sont deux singes distincts. Ou bien, ils ont ordonné à Nintendo de couper la fin du premier Metroid où on voit l'héroïne Samus. Moi, je dirais C. C. Ça ferait du sens, mais la guerre froide, c'est quand? C'est pas en 84. C'est quoi les dates que t'as données? 91, 92. 79 et 84. Ah, oh, dude, la guerre froide était encore all-in à cette époque-là. Fuck. Je veux dire... Je garde le C, parce que comme ça, si GF, il l'a, je l'ai aussi.
OK. Puis Marco. Je parle pas de. Ah. On brise pas les gars. Ben, tout le monde a faux, c'était B en fait. C'était B, hein. C'était le. Ah, ouais, c'est Donkey Kong et King Kong sont deux singes distincts. Ouais, on a après, après une poursuite. C'est qui est parti de ce débat-là qu'on le cherche puis qu'on le trouve qu'on le fasse mal? Ouais, on... c'est moins intéressant. Ces deux singes, ils ont pas le même nom, mais ils se ressemblent. Mais ils ont pas. Charles du monde. C'est probablement parce qu'il y a eu une poursuite des créateurs de King Kong pour dire genre, ah, vous avez clairement plagié genre notre concept, parce que c'est genre, non, c'est un gorille qui capture une princesse blonde, ouais, qui monte en haut d'un shit puis qui fait chier l'encens, ouais, genre des affaires. Ouais. Fait genre des tonneaux critiqués dessus. Ouais, 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 mais ils ont fait Donkey Kong, Italien, King Kong. D'ailleurs, j'ai pas fait une question là-dessus, mais juste un fun fact sur le jeu Donkey Kong. D'ailleurs, Mario, c'est sa première apparition, puis il était appelé au début Jumpman, puis c'était pas un plombier, c'était un menuisier. Ah ben, tabarnak, j'ai mon voilà, esti de voyage. Je savais que ça prend la foule, mais je savais pas... tabarnak. Oui, 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 j'ai vu ça tantôt. OK, là, la dernière question, c'est la question bonus pour 2 points. Qui est-ce qui va se mériter le beau prix? Donc, pour Hello 2 3. Points... Je pense que ça... Je pense c'est que ça, c'est ça, c'est malade, c'est ça. Au 7, dans 007 GoldenEye, au Nintendo 64, à part le légendaire Golden Gun... Quelle autre arme pouvait avoir l'option Gold? Le Golden Magnum. Tu faire avant. B, le Golden PP7. C, le Golden Phantom. Oh, tabarnak, je sais plus. Magnum. Golden Magnum, Golden PP7 ou Golden Phantom. Donc, Marco, Magnum. Ouais. Je veux dire Magnum aussi. Magnum. PP7. PP7. Non, PP7 à 2000%. Et c'est le PP7. Oui, donc le grand gagnant, c'est Mickaël. En plus, je suis bien content. Fait que je vais te donner ton prix, Mickaël. Porte-brosse à dents. Non. Le prix que j'ai été l'acheter tantôt, c'est une copie de l'original de Super Mario Bros 1. Oh, ça vaut pas grand-chose, mais c'était quand même le plus cool. Hein, mais je me suis acheté récemment, genre en plus, un fucking Nintendo. Non! Ah, pour non, t'es sérieux, tu vas pouvoir jouer? Ouais, nice! Ben, je vais pouvoir jouer. Ah, wow, nice, man! Ça m'avait fait donner ici. Ça y est. Ma vie est faite. C'est clair. Moi, je vais y aller. Mais tu l'avais-tu déjà? Non, j'avais le 3. Mais le 1, je l'avais pas trouvé. C'est vraiment cool. Oui. Ouais, ben, c'est cool, je suis content. Nice. C'est ouais, il était en carton, là, c'est pas le vrai. Là. Ah, non, c'est pas. Ça n'a pas coûté cher. C'est pas factory. Moi, c'est le format que j'aime bien. Ouais. Il est pas factory sealed. Juste, si tu te poses la question, là, je pense que c'est comme le micro-play qu'ils l'ont scellé eux-mêmes. Là, ouais, pas que... cool. Je continue à me brosser les dents avec ceux qui sont à terre. C'est ça. Et voilà. Fait que c'est ce qui finit le questionnaire. Merci, Phil. Cool. Ouais, merci. C'est cool, merci. Ça tombe bien, pareil que c'est la seule personne qui a un NES. Rayon de 1400 km, tabarnak. Ah oh, ouais, j'ai vraiment hésité d'aller chercher des crises de cochonnerie. En plus, t'aurais été déçu, là. Mais... Ouais, mais... Reste, moi, le quiz que j'ai gagné, j'ai eu un esti bonhomme lutteur. Ouais. Ouais. C'est lui qui part dans ton cou en permanence, là? Non, c'est lui que j'ai dans l'anus. C'était fait un bling-bling de rapper, mais non, j'ai une figurine de lui. Ah, ça serait hot, pareil. Ça serait quand même vraiment hot. Samedi, je me patente de quoi pour que ça tienne. Ah ouais, tu devrais. Ah, devrais. Ça serait si. Oups, ton micro, je pense. Tu mettras ta genre de chemise. Jeff, ton micro, je pense qu'il est déconnecté un petit peu. Je suis là? Je suis revenu? Ouais, je pense que moi je t'entends. Arrête, je vais venir en haut. Hein. Yes, mais ça, t'as ton genre de chandail d'Africain que t'avais aussi. Ah, bah, elle a invité quand je t'ai invité. Hein. Ouais. Avec le boubou africain. Habille-toi en Africain, hein, ouais. Ça sonnait Sainte-Julien, tabarnak. Ah, ouais. Oui, c'est vrai. On cachera pas, là. Je suis sûr qu'il y a d'autres places dans le monde qui disent ça aussi. C'était pas négatif, c'est vous autres qui avez pris ça de même. Moi, c'était un compliment. Ça sonnait ouvert d'esprit, capable de faire des jokes, pas genre « Oh non, je suis raciste. » Ah, ça sonne Montréal, pas mal. Alright, fait qu'on continue avec la chronique à Justin. Ouais. Hey, préparez-vous, si j'ai tout un programme pour vous autres à soir. Ah, tu t'es nain? Oh, oui.
Je peux en parler si tu veux, mais pas tout de suite. Je t'avais challengé de parler des nains et du racisme entre le nain et les elfes. Okay, mais non, on va avoir une modification, ça va être beaucoup plus large parce que je pense que c'est un problème systémique beaucoup plus profond qu'on le pense. Okay? C'est drôle avec ta barbe que tu dis systémique. Ouais, je m'attends pas à ça. Je n'ai pas une gueule de dire ça. Autant de pertinence dans une seule industrie. Vous allez voir que la barbe fit avec ce que je vais vous parler aujourd'hui, esti. Parce que. Comme vous le savez, François Legault et la coalition Avenir Québec ont été élus majoritaires au gouvernement il n'y a pas très longtemps de ça. Puis ils ont énoncé la volonté d'être un gouvernement très proche du peuple qui veut écouter ses citoyens. Fait que je me présente, moi, Esti Roger, la shop Bistrot à Candiac. Puis j'arrive avec plein d'idées pour qu'on fasse le Québec le plus meilleur pays du monde. C'est vraiment que ton soude puis ta moustache, c'est tout un build-up juste pour ça. Ah ouais, c'est malade. Ça. Ah ouais. Je suis legit déguisé pour ma chronique. Je suis vu dimanche avec la même barbe, mon Ben, c'est issu de ça. J'ai écouté tout le monde en parle, puis genre, j'étais comme, c'est-tu que c'est retardé? Puis je portais déjà ma fière calice de grosse moustache slash barbe de trucker. Ah ouais. Puis là, j'ai fait de l'émi un peu. Ouais, exactement. Puis là, je me suis dit, écoute, faut que je fasse de quoi avec ça. Là. Je me promène pas dans la rue pour aucune raison avec cette affaire de retarder. Fait que, checkez bien ça, toutes les idées que j'ai préparées pour vous autres, esti. Premièrement, ça, c'est un de mes petits coups de cœur, c'est un classique, tout le monde est au courant, là, mais les hosties de bandits à cravate, là. Moi, là, je les pognerais toutes, là. Les hosties de bandits à cravate. Je t'ai calisse toute la gang en prison avec leurs enfants. Comment qu'on les pogne, je le sais pas, parce que je suis trop cave pour comprendre comment le système de justice fonctionne, mais ça, c'est pas grave. Quelqu'un va s'en occuper. Probablement, Marco, il est bien plus brillant que moi. Ah, ben, il y a le look d'un trappeur, un peu. Trappeur, ouais. Non, mais t'as parlé de François Legault au début. Ça, juste, c'est le dos, le monsieur, genre, le chef, qui a une grosse tête d'hydrocéphale, qui embrasse sa oui, sœur, puis oui, il veut. C'est exactement lui. C'est cool, c'est notre chef bien-aimé. Qu'on soit sans même longueur d'onde. Notre leader suprême. Tête d'hydro. Il a genre pas de cou, il ressemble à un bulldog, un peu. C'est sûr que quand il court, il y a les joues qui shake vraiment beaucoup. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ah ouais, hein? Si oui. Je fais des cauchemars à cause de ça tous les soirs. Tu bois-tu dans un pot classico? Ouais, je bois dans un pot de sauce à spaghetti parce que ça fait partie de mon costume. Ok, aussi. Ok. Sirop d'érable. Malade. Non, c'est. C'est la puce de ma mère. C'est comme boucha. C'est même pas de l'alcool. Ça scrape tout, mais maintenant, vous savez, c'est moins drôle. Mais. Ben non, je bois pas, moi, Chris. Est-ce que tu t'es trahi là, avec ton kombucha? Justin, il boit pas, mais Roger, il boit en tabarnak. Puis Roger, checker sa prochaine idée, c'est génial. Arrêtez le gros Chris de Barrette, OK? Puis ça, là, c'est clair, tout le monde le sait. C'est lui qui l'a kidnappé, la petite Cédrica Provencher. Chris, il a le motif parfait, OK? C'est d'assouvir ses hosties de pulsions d'agressifs. Puis tout le monde le sait qu'il gueulait près des infirmières à l'hôpital pour les faire pleurer. C'est plus rendu assez pour lui donner une érection. Fait que... il a fallu qu'il passe à d'autres choses. Un McDoub bacon. Ah, tabarnak. Il se crosse dans des McDoub. Mmh. Oui, ben oui, je l'ai vu. En pensant où est-ce qu'il l'a enterré. Oh, oui, il y a quelqu'un que je connais qui l'a vu, il l'a dit. Là, il s'est crossé avec des sandwichs. C'est vraiment déplaisant. Ouais, tabarnak, c'est que Kessler fait des bruits de tracteur, même. Lui, il parle de crossage de sandwich. Voyons, Chris. Marco, il fait juste. Alors, à chaque fois que Justin fait une chronique, je me sens comme si j'ai consommé pendant 8 ans. Puis là, je redeviens à jeun, puis je suis comme, wow! Qu'est-ce qui se passe? T'as pas vu les premières chroniques à Matt quand tu partais sans bras? Ça, c'était le calvaire, mon gars. Il mettait juste le son dans le tapis, le micro piquait, puis il disait n'importe quoi. Il parlait des bitcoins, puis le pire, c'est que c'est genre, à chaque semaine, il faisait pratiquement la même chronique avec le son dans le tapis, puis il était juste comme, là, tabarnak! Puis c'est qu'on lui laissait complètement de chance, c'était tout le temps le dernier à faire sa chronique après 2 heures de tout le monde qui, genre, brosse vraiment fort. Il était tout le temps sous-mort quand c'était son tour. Et puis là, il était un cauchemar. Exactement. Je veux que ça arrête. Mais sinon, Calis...
De retour. Ma prochaine idée. Ma prochaine idée, Chris. Ça, c'est bien important pour la jeunesse. Il faut les protéger. Esti. Le pot, là, il faut remettre ça illégal. Okay? Il faut que ce soit illégal jusqu'à ce que tu aies au moins genre 50 ans. Okay? Parce que c'est vraiment pas safe pour la jeunesse. Je vais vous parler de mon expérience, moi, avec ça. L'autre jour, esti, j'étais en face du 281 pour des raisons clairement évidentes. Puis, esti, j'ai pogné une pof. Pas des gays. Une pof. Ben non, il n'y a pas de gay au 281. Il n'y a jamais de gay, là. Il y a juste des femmes respectables. C'est clair que ton personnage est bien respectable. Puis, esti, savez-vous ce qui s'est passé? J'ai pogné une pof de fumée secondaire d'une vapoteuse dans laquelle il y avait de l'huile de pot, OK? Puis, l'effet que ça m'a fait, là, c'était incroyable. C'était tellement violent, esti. La prochaine image, quand je me suis réveillé, que j'ai vu, esti, j'ai pris conscience que j'étais sauté sur le stage pour licher des battes de toutes les gays qu'il y avait là, de toutes les danseurs. Ils étaient donc bien beaux. La sécurité m'a sauté dessus et m'a poivré le cul en me taisant et ma main. Ça, c'est le pote qui a fait j'ai ça. J'ai capoté. C'est de la faute au pote. C'est de la faute, c'est toute la faute au pote. Ça, ils le disent, d'ailleurs. C'est pas moi qui essaye de cacher un de mes traumatismes d'enfance. Non, non, non. Il est marqué sur le pot. Peut vous faire sucer des battes vraiment fort. Allègrement. T'as-tu mangé un trou de cul aussi? Non, mais ça, c'est le deuxième point. Ça, je le faisais bien avant. Là. Ça, je fais ça depuis 94. Oui, quand c'est devenu légal. Commencé ça tôt, moi. Non, non, ça n'a pas été légal avant 97 puis la crise du verglas, ça. Juste avant. Il y a tellement plein de liens que je fais dans ma tête. Puis je le sais que t'as aucun de ceux-là que t'as créé. Genre. C'est ça qui est drôle là-dedans. C'est malade. Je t'ai rendu où, là, si je me perds dans mes idées, là. Ma liste n'est pas bien claire. Mais sinon, si mon prochain point qui est bien important, là, si on va redresser les finances publiques avec ça, on donne des cours de poker dans toutes les écoles primaires. On les commence, si direct à la maternelle, 4 ans. Ils vont devenir toutes des crises de machines, puis après ça, on les envoie à Vegas avec des subventions du gouvernement. Ils vont toutes gagner toutes les tables, vont faire câlissement du cash, puis quand ils reviennent de notre bord de la frontière, on se pogne une petite cote, puis on finance les hôpitaux avec ça. J'ai pensé à tout ça. C'est le gambling. Pour les enfants, après que le pote soit pas légal. Il a des éponges, le cerveau, à cette heure-là, mon chum. Il va le savoir en tabarnak quand est-ce qu'il va compter les cartes. Il va être fucking bon, OK? Ah oui, donne-le 3000 chaque, est-ce qu'il te ramène une belle fortune? Ben oui, est-ce qu'il se met à la gang, ils vont bien rentabiliser. On va construire une armée. Tabarnak. De toute façon, on leur apprend à tirer du gun, est-ce qu'il. En Arizona, ils sont en train de dresser des tueurs. Faut qu'on se prépare. Sinon, mon autre point, ça, c'est probablement un des plus importants, puis ça, tout le monde le sait, OK? C'est réduire l'immigration. Okay? Là, ça va faire. Okay? Regardez-moi bien, moi, je vous ai fait un système de points bien câlissement simple. Okay? Si t'es pas blanc, t'es disqualifié. Si t'es pas blanc, blanc pâle ou blanc foncé, non, tu rentres pas ici. Si tu parles pas français, tu rentres pas ici. Si t'es pas d'un héritage religieux qui commence par chrétien catholique, tu rentres pas ici. Puis sinon, esti, si tu caches pas ton alcoolisme à tes chums de la shop parce que tu veux pas en parler, parce que ta femme est sur le bord de te laisser puis ça fait trop mal émotivement pour que tu puisses dealer avec tes problèmes, ben esti, tu rentres pas ici. Tu fais pas partie de notre culture puis tu nous comprendras jamais. Fait que dehors entre les autres, tabarnak. Vous me faites peur parce que je vous comprends pas. Deuxième point qui est pas mal la même chose que le prochain point, esti. Pas de symboles religieux, surtout pas ceux des cultes sataniques lesbiennes faisant la promotion d'une société tolérante où les gens seraient libres d'exprimer leur amour sans la crainte du stigma social. Moi, il y a personne qui m'aime, fait que je veux pas que l'amour marche pour personne. C'est allé tout chier. Puis dernier point, probablement le plus important de la gang. Seul le monde y pense pas, mais regardez bien ça, je vais vous régler 40 problèmes à la fois. On construit la ligne rose, OK? Je suis bien d'accord avec le programme. Sauf que à la place de la faire à Montréal, on la fait à Québec, OK? Puis à la place d'être un métro qui passe en dessous de la terre, ça passe au-dessus de la terre, OK? Ça passe au-dessus de la terre.
puis c'est genre comme un tramway, mais à place d'être des wagons électriques qui se promènent sur des rails, c'est comme plein de petits wagons individuels qui fonctionnent au gaz, puis que les gens comme se financent individuellement eux-mêmes, ils les achètent eux-mêmes, OK? Puis c'est pas des rails, dans le fond, c'est tout de l'asphalte, OK? Puis si ça va être beau, puis on connecte ça au système routier, comme ça, le monde peut embarquer, puis débarquer de dessus, si... comme qu'ils veulent, puis comme ça, ils ont pas besoin de se faire chier avec des horaires qui sont trop durs à comprendre. Puis pour... Puis attendez, le point le plus important, parce que ça s'appelle encore la ligne rose, OK? Puis pour honorer les femmes ayant joué un rôle important dans la construction de la nation québécoise, on l'appelle l'autoroute Maurice Richard 2. Vous remercierez plus tard, mesdames. C'est voilà mes propositions pour notre nouveau gouvernement. J'espère les voir mises en place dans les 10 prochain jour. Ben oui. Ouais, ouais. je vais maintenant répondre aux questions du public. Ouais, c'est un peu comme des chars, mais c'est un autre sorte de char. Ah shit, c'est des chars. C'est Bombardier qui construit des chars. Ouais, je t'entends. Ah bon, OK, je vais... C'est des chars. Excuse-moi. Ouais, mais sont toutes faites par Bombardier ici au Québec. Okay. Ça crée plein de jobs ici. Puis on met des gros moteurs d'avion dedans qui brûlent du kérosène puis du diesel parce que fuck le gaz de fif, genre bronze, argent, doré. C'est pas des bijoux calés, c'est de l'essence. Allez, chier. Si vous êtes pas d'accord, c'est ça. Ouais, faut bien sucer le cul comme il dit tout le temps. Ben oui, sucez-moi le cul. Moi, j'étais en manque de ça. Personne qui me suce le cul. Fait que, ouais. Petite autre question? Non, je suis pas trop sûr de savoir quoi rajouter à ça. C'est complet, là. Fait que les chars électriques, ça marche aussi ou ça, c'est pas bon? Char électrique, c'est un mythe. Ah, tu sais, les chars de gay, là? Non. No fucking way. Pas dans mon pays. Okay. Parce que chars bombardiers, ils font pas de chars électriques. Moi, j'aime ça, des chars qui sentent. Mais oui, ça fait pas du bruit. Quand tu pèses sur le gaz, asti, puis tu vas dire, toi, si tu pèses sur le gaz, ça, tu pèses sur quoi? C'est quoi? Tu vas peser dans le vide? Ça tu vas demander au robot d'accélérer? Ça on n'aura plus le droit de conduire nos autos nous-mêmes? C'est quoi ça? On est-tu toute une gang de taouins? Siri est rendu dans nos chars, calice. Tabarnak. Hey. Je pourrais plus me crosser sans que mon char m'espionne. C'est quoi ça? Dans un pays libre, c'est? Moi, j'ai mis du tape sur ma radio, esti. Je le sais qu'il m'observe. Je l'ai vu, le Truman Show, moi. Ouais, bon, ben... Hey, merci, Justin. Ben oui, ça fait plaisir. Merci. Robert ou... Je sais même plus. Peu importe qui parlait à travers ta bouche. C'était la nation québécoise qui parlait à travers ta bouche. Oh, oui, effectivement. C'est l'avenir de notre pays. Oui. Ouais. Très belle chronique. All right, là, on va se tourner un peu vers notre invité. Donc, elle est venue. Si on va vraiment connaître un peu. Salut. Vous pouvez juste nous voler nos prix. Il est encore stické dans son petit personnage. Il dit, non, ça me dérange pas, mais... Pense en dessous. Mais... Tu disais que t'étais d'origine portugaise, c'est ça, à moitié québécois au moins? Moi, là... Non. C'est pas vrai, là. Je sais que tu le sais, là, mais... Je t'ai quand même arrivé, pareil. Moitié-moitié, là, un bon tort. Les Portugais sont catholiques, eux autres. Tabarnak, ils viennent de la même place, puis ils croyaient au pape. Ils croyaient au pape. Le pape, il existe. Ils croyaient au pape. Putain. C'est comme le Père Noël. Ouais, c'est ça. C'est son cousin. Non, mais plus sérieusement, tu seras en restauration? Tu fais quoi exactement? Je suis gérant d'un restaurant au centre-ville. OK. Gérant de resto, Tabou Cuisine Rebelle, un petit resto tendance, là où les gens d'Instagram se présentent et les gens normaux aussi. Ouais, t'as bien des vedettes qui passent? Quand même. Des vedettes que je pensais pas qu'ils étaient des vedettes, mettons. Genre c'est quand même Brocoli, particulier. Là. Genre Annie Brocoli, ouais, en fait, dans le passé. Toutes les influenceurs. Okay. Moi, je suis vieux, là. Fait que, ça, avant, c'était de convaincre le monde de. Les gérants de grosses compagnies d'hôtels ou de conciergeries, que c'est ça, faut-tu convaincre pour amener chez vous. La star, c'est des petites filles qui se montent le cul, qu'ils ont bien des vues à être bien belles. Que là, moi, il faut que je leur tête le cul après parce que ils sont populaires. Mais tu sais, c'est un petit peu plus intéressant qu'un bon vieux concierge quand tu y penses. Ouais, quand même. Mais, c'est vrai. C'est juste changer de perception, tu sais. Ouais, c'est vrai. Ouais.
Puis, dans le fond, t'es rentré là comment? T'es-tu rentré comme gérant direct? Ou... J'étais serveur. Ils m'ont monté avec le temps. L'autre gérant, c'était trop pour lui. Puis, je comprends. Ouais. Attends, je comprends. Non, lui, il était plus au petit gars, mais... Tabarouette! Je pense que lui, il l'a... Pas littéralement aux enfants, là, parce que c'était... Quelle tranche d'âge! Je suis comme tabarouette! Exact, là. Il me semble que c'est très classe, comme... Ouais, non, c'est juste les... 16, là, c'était... Pas les enfants, là, mais c'était pas... Tu sais, un... Si on du poil sur le menton, c'est correct. Si on du poil en quelque part, c'est correct. Ah oui, oui, ben oui. Je me rappelle plus ce que je demandais. On le sait. Ouais, mais c'est ça. Dans le fond, t'as-tu des expériences comme cuisinier avant ou... J'ai fait 19 ans. J'ai 19 ans d'expérience en restauration, en fait. Okay. Oh, wow. Ouais, j'ai commencé jeune, ben jeune. Puis j'ai tout fait. Dans le fond, toutes les bosses, littéralement. Puis, tu sais, je fais ça par passion, contrairement à beaucoup de gens. Tu sais, j'aime vraiment ça. Ouais. Tu sais, ils disent beaucoup que c'est un job que tu te retrouves, tu sais, puis que tu es pogné là-dedans. Mm-hmm. Mais, tu sais, moi, j'aime ça. Tu sais. Mm-hmm. Ouais. Puis après ça, toute ta famille qui te regarde, comme Chris, tu peux pas faire de quoi de bon dans ta vie? Ben. Chris, j'aime ça. C'est juste être content pour moi. Ouais, en même temps, c'est du monde aussi passionné de même qui vont plus monter. Là. J'imagine la personne qui le fait parce que genre elle a fait ça toute sa vie, genre il reste plus de resto même pas sous le temps, tandis que quand t'es tout le temps porté à te pousser, genre tu risques de plus te démarquer, mettons. Là. Exact. Mais tu sais, moi je pense que peu importe, il y a un dicton dans la vie, c'est t'es fais ce que t'aimes, tu vas devenir bon dedans. Mais moi je suis pas d'accord avec ça. Moi, c'est fais de quoi t'es bon, puis tu vas finir par aimer ça. Okay. C'est satisfaisant d'être performant. Je pense que tout le monde a ce sentiment-là. Moi, je sais que je suis pas le meilleur, whatever, j'apprends tout le temps, mais c'est important d'être bon dans ce que tu fais. Ouais. Tu arrives chez vous, tu es content. Ouais. Tu retournes travailler, tu es content. Je pense que c'est ça l'essentiel. Tu classes plus à l'horizon aussi. Oui, absolument. C'est intéressant. Puis, tu sais, la nature humaine, tant qu'elle est, moi, ça me passionne vraiment là, de rencontrer des nouvelles personnes tout le temps, tu sais, de tester justement jusqu'à quel point tu peux pousser tes répliques, dépendamment de la petite personne. C'est qui cherche le fuck, fait que qui cherche pas le fuck, qui veut être ton ami, t'as pas envie d'être son ami, c'est quoi la date, comme la blind date, la date de v'là longtemps, le couple trop longtemps que ça fait qu'ils sont ensemble, le monde qui sont pas contents d'être là, le monde qui sont antiques par défaut. Mais t'es quand même fort là-dessus pour cesser les clients. On a travaillé pas longtemps, mais un peu ensemble. Pis t'es quand même hot là-dessus, tu sais, la table d'enfant que t'agis comme un petit singe quasiment, versus la gang de boys qui veut juste prendre un drink, que t'es comme alright, eux autres, je vais juste être efficace, pis la date, t'es comme genre alright, toi, je vais te faire rire un peu pour que toi, tu sois contente, pis après, tu le rendes content chez c'est eux. Je trouve ça intéressant de comme donner aux clients, tu sais, juste en perception, c'est clairement du jugement, mais tu sais, à force d'en voir, tu sais, du monde, à un moment donné, tu deviens bon. Après ça, tu peux l'appliquer dans ta vie de tous les jours constamment. Rencontrer une belle-mère, là, c'est pas compliqué. Là. Non, c'est comme maman que j'aurais servi dans le resto. J'évalue ses besoins tout de suite, genre rassurer, je vais être bon pour ta fille. T'sais, c'est comme direct. Fait, c'est vraiment un atout. Genre, j'ai l'impression de cheater. Là. Moi, j'étais grâce aux réponses, j'avais vu, j'étais un peu gamer. J'ai l'impression que je cheat constamment dans ma vie. Genre, tout le temps. C'est un peu comme la vente aussi, ce que tu fais quand t'es au client. Tu veux te vendre pour qu'il te laisse un meilleur. Tu vends à toi. Ouais, c'est ça, exact. Ton produit, déjà qu'il met les pieds dans la place, il veut l'acheter déjà. Il veut déjà manger, whatever. Fait, là, t'as juste à vendre comme ta personne pendant un instant. Ben, ça cesse facilement. Puis, c'est sûr qu'il y a des imbéciles, il y en a partout. J'avais vu des parallèles d'ailleurs dans ce que tu disais, parce que moi j'ai fait beaucoup de porte-à-porte pour des assurances. Puis c'est un peu le même principe dans le sens où il faut que tu saises la personne très rapidement, puis que tu te mettes ami avec elle. C'est ça. Ou des fois pas ami du tout. En fait, des fois il y a des gens aussi qui veulent avoir une distance avec toi. Mais oui, c'est vrai que c'est super intéressant. Puis y a-tu des choses que tu as pu réinvestir dans ta vie personnelle, dans le fond, dans ces observations-là, par exemple? Oui, vraiment. Moi, j'avais c'est une étude en soi là, de faire ça. C'est une étude de ta perception, puis c'est une étude de toi-même aussi. Moi, je suis quelqu'un qui a un non-verbal très éloquent. T'sais, quand tu me dis « Hey, c'est parce que mon tartare, il n'est pas assez cuit. » T'habitais où, toi, depuis les 20 dernières années? On va mettre ça à la plaque. Ouais, non, c'est un petit peu madame. Chris, j'aime ça manger chaud, moi. C'est des situations comme ça, tu sais, que ça saisit, pis tu sais pas quoi comment répondre ou whatever, tu sais. Pis. Excuse-moi, fais juste mettre mes mains comme ça, juste faire un petit caca en te regardant dans les yeux. C'est ce que ta réplique représente pour moi. C'est ça. Ton micro. Oh ouais, excuse-moi. Tu sais,
c'est de travailler sur toi, justement, tu sais, comme non-verbal, là. Chris, moi, je te trouve con, t'es con, est-ce que tu voyons donc tabarnak? Oui. Tu sais, puis là, tu sais, de travailler là-dessus, puis tu sais, faire comme, ben, c'est parce que c'est pas cuit. Tu sais, de faire comprendre que, comme, ben, faut pas que tu lui montres que Chris, t'es con, tu sais, parce que c'est quand même elle qui paye, tu sais, elle est là pour ça, mais con, fait que qu'est-ce que tu veux faire, tu sais? Ouais. Vous êtes une épaisse, c'est plus poli. Je suis capable de faire comprendre qu'elle est con, mais sans qu'elle comprenne vraiment. Ben, tu dis, ben, c'est parce que là, c'est écrit en retard, madame, c'est en retard, tu sais, parce que c'est pas cuit, hein? T'sais, moi j'écoute pas. T'sais, moi j'écoute pas OD là, mettons. Fait que si tu me parles de Jérémy que lui il a fait telle affaire, j'ai aucune calice d'idée. Moi j'étais un épais pour elle, t'sais, parce que je sais pas ça, ouais. Mais t'sais, moi t'es une conne pour moi parce que t'es en retard, mais t'sais, t'apprends à reconnaître un peu tes expressions, à essayer de les cacher tout ça, puis après ça, ça se réapplique constamment dans ta vie tous les jours, non-stop. Poker face de sa clientèle. Je fais moins de grosses gourdes d'erreurs nowhere, t'sais. C'est plus facile, mettons. Ça serait quoi la plus grosse erreur? C'est ça ma question. Oh, toi, t'es connu en plus. Mais j'en connais une coupe, oh mais c'est God. Sûr qu'il y a de chier les culottes. Ça m'est arrivé. Marco, il y a des antécédents. Mais mettons, je sais pas, tu sais. J'ai écouté une histoire, je me suis chié les culottes sur le podcast. T'es sérieux? Ouais, mais je trouvais ça drôle. Puis là, Chris s'est rendu moins expert en chier les culottes. Je peux participer parce que pour vrai, tu sais, moi, je travaillais dans un restaurant un peu de bas de gamme, puis chaque fois qu'il y avait un client qui me faisait chier, littéralement, je passais à côté de lui, puis j'ai une capacité vraiment inutile dans ma vie, c'est que je suis capable de péter à volonté. Je me trouve vraiment drôle de faire ça, tu sais, fait que, mettons, le petit con, il fait comme, va te prendre deux verres d'eau! Madame, nos verres d'eau sont déjà très grands. Ouais, un pour moi puis un pour le monde entier. Là, moi, je trouve qu'elle a donc bien le sens de l'humour. J'y apporte deux verres d'eau puis ben tabarnak, elle se le décroche puis elle se crisse dans le verre d'eau. Tabarnak. Tu sais, des madames de même, moi, ça me dérange pas de passer à côté puis péter dessus, tu sais. Sans qu'elle s'en rende trop compte. Je veux dire, faut pas que ça soit un bruit d'assiette en même temps. Faut pas que ce soit full blast là. Full blast, tu tousses en même temps, tu sais. Ça se fait bien. Il y a toujours moyen de le dire. Pendant qu'elle prend sa bouchée, juste pour être sûr que ça passe au vent en même temps. Elle mange le petit Christ de conne. C'était chouette, j'étais tout seul en plus. On était en train de se faire ramasser un fin de soirée. T'sais, puis j'ai une soirée qui me faisait chier. Fait que je pétais sur tout le monde. Donc, à un moment donné. Les Pokémon Coffee, genre. Ouais, tu sais, à un moment donné, il y en a un, il est plus tough à aller sortir. T'sais, puis là, tu sais, j'y vais, je le sors. T'sais, mais là, je sens que, oh, palais, tu sais, il y a eu un bébé fuite. Puis là, je réalise pas l'ampleur de la situation. T'sais, puis là, je m'en vais. T'sais, puis là, c'est pas le temps. Là, t'sais, du monde qui avait t'attends de manger, du monde attend de payer. Mais Chris, à un moment donné, l'urgence est là. Puis là, je m'en vais observer les dégâts. T'sais. Oh my God, pour vrai, c'était un tapis. Là. Il était pas question que je remette ces sous-vêtements-là. Tu étais beurré les gosses puis tout. Ah, tout. A à Z, gauche à droite. De place, ça sentait bon. C'est une bonne, comme une bonne purée de poire. Avec les couleurs. Je vois. Puis, finalement, mais la paix là-dedans, c'est... Comme quand tu torches puis c'est mou, mais t'étais pas prêt à te torcher. Le pire là-dedans, c'est quand je suis sorti des toilettes, parce que je me suis rendu, j'ai oublié de dimensionner qu'il restait plus de papier de toilette dans la toilette, évidemment, à ce moment-là, c'est clair. Fait que je fais ça au papier brun, classique. Puis là, je sors, tu sais, avec tout mon pas de fierté, tu sais, des toilettes, avec le cuisinier que j'espère donc ben pas croisé, puis mon boss que j'espère donc ben pas croisé, parce que je vais encore laisser ça dans le container, tu sais. Puis là, je croise le collègue de travail, tu sais, l'Indien qui dit jamais un mot à part des oui, maman, oui, papa, tu sais. Puis là, tu sais, j'ai ça dans mes mains, tu sais, avec le Scott Tawa, tu sais, puis, tu sais, je le tiens, puis, tu sais, je le regarde, tu sais, il regarde les boxeurs, il a complètement réalisé ce qui s'est passé. Il a baissé les yeux. C'est et il a fait comme si de rien n'était. Ce moment-là, j'ai su que ça y était A, déjà arrivé, B, sûrement plus qu'une fois, C, que lui, genre, il avait une conscience parentale, puis il s'est dit, je briserai pas sa confiance. Dans le fond, ce qu'il t'a fait, il était juste à le jeter pour se coller sur la face dedans. Tu penses qu'il est bobette sa tête dans le parking en train de se crosser?
Ah, tabarnak! Ah. Ah, oh, ça, c'était mal. Ça... Il y a l'air d'un zombie qui mange sa proie. Il est là dans les bobettes. T'es comme, oh, con! Il s'en garde pour plus tard. Il la garde dans sa poche d'en arrière. Toujours prête. Tu sens dommage à la marde. T'as-tu mangé de la marde, con? Oh, je suis pas. Peut-être. Il met lui-même. Il change il sa mon... Ah, oh, oh, ça, c'est hey, on est capable de jammer longtemps avec de la marde. C'est l'enfer. Ah, excuse-moi, continue. Non, mais c'était ça. C'est ma pire expérience. Oh, c'était wow. À moi, par exemple. Mais tu sais, mettons, la pire réplique que ça, j'ai... Ça, c'est pas une erreur, ça. C'est juste pas une belle expérience. Ben, ouais, non, non. Je m'entendais la pire erreur. La pire erreur, je pense, c'est Cook, pour vrai. M'a rappelé toute ma vie. J'étais Pacini. Classique, un groupe de 450. Oui, monsieur. Oui, oui. Oh, what the oui, fuck? Oui. Ils ont loué la place au à 2h, exactement. 2h l'après-midi, à l'aréna de Repentigny, il y avait tout le temps les tournois régionaux, provinciaux, whatever. 450 petits kids qui se pointent à la porte. On est deux cooks. Puis là. Tabarnak. Ah, ils ont pas averti d'avance? Non, non, ben non. Oh, ben c'était non, ben pas non. D'avance, Asti. Non, 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 non. On est deux cooks, une serveuse. Serveuse, c'est Francine, Asti, elle a 65 ans. Deux cooks. Non, non, mais le nombre de clients? 450. Littéralement 450. C'est dégueulasse. Puis tu appelles le monde, ça rentre pas, patron pas là, rien qui se passe. Fait qu'on n'est pas le choix, il faut handle la situation. Puis là, Alex, qui est avec moi, m'a rappelé toute ma vie. On avait une bonne vieille règle de, tu sais, quand ça tombe à terre, t'as 7 secondes pour le ramener, tu sais. Ouais, 7 secondes. Puis, tu sais, nous autres, on n'a jamais appliqué ça parce qu'on trouvait ça dégueulasse, t'sais. Sauf ouais. Que là. Ah, là, tu sens la règle du 5 minutes. Là, c'est arrivé, tu sais. Puis en plus de ça, c'est la règle du 10 minutes. Oh, Chris, c'est quoi ça? Je sais pas. Chris, ça dans l'assiette. Tu sais, nous autres, on se disait, tu sais, en plus, c'est un repas pour enfants, tu sais. Fait que, tu sais, le gars. Un enfant, c'est mange du sable, c'est ça, calé. Ouais, c'est ça. J'imagine tellement, genre, il manque une frite pour une assiette, puis vous deux qui regardez les poubelles. Mais là, comment on faisait la préparation? C'est un peu dégueu, vous allez le savoir, là, c'est fait. Là. Enfin, les feuilles de lasagne, ils sont emballées, sont râpées, saucées, congelées. Fait qu'après ça, nous autres, on dérape, crisse ça dans une assiette, crisse de la sauce, micro-ondes, après ça, crisse du fromage, crisse ça dans la salamandre, ça ouais, gratine, okay. Sort ça, pâte, ça dans l'assiette, that's it. Oui, oui, oui. Simple. Sauf que là, l'étape de la sortir, si tu veux, puis de la ramener en bas, ça glisse, esti. Puis genre là, mon collègue, s'il glisse ça, passe, ça tombe à terre, mais c'est comme cheese first. Là. Oh, puis là, tu sais, là, je la regarde, puis pour vrai, c'est comme une des dernières tables qu'on a sorti. Tabarnak, on l'a eu, tu sais, c'est fait, là, on est fatigué, c'est plus le temps. Oh, tu sais, je la regarde, il me regarde, je la regarde, je suis comme 1, 2, 3, 4, 5, là, s'il ramène ça, s'il calisse du fromage, genre, crisse ça dans la salle tout ça. Mais là, après ça, on passait à la scène, tu sais, maman, quoi? Ma lasagne est pas bonne. C'est toi qui as voulu venir manger ici? Tu manges toute ton assiette. Oh, oui, mais maman, il y a de la roche dans ma. Il y a un plaster dans ma lasagne. Ça fait partie de la sauce, ça. Ça, c'est la part la plus dégueu. C'est ça. Top 1. Ça me fait penser. Je sais pas si on a déjà rencontré la part de la sandwich. Je sais même pas si on l'a déjà rencontré. Je pense pas. Mais on a une. Allez-y. Vas-y. On travaillait au Saint-Hubert deux jours. Puis on était tout le temps. On était tout le temps. Fin de semaine de jour. Puis il y avait un des gars qui rentrait tout le temps à plomb, je prends 11h, puis il calissait jamais rien. Là, on avait besoin d'assiettes, puis on calait les assiettes, puis il s'en calissait, il faisait que manger toute la journée. Puis là, fait que tout ce qui matin, va suivre va être absolument mérité. Juste bon, le mettre au clair. Jamais rien, puis tout le monde est en tabarnak, parce que tu faisais que manger. Fait que là, un matin, on a fait OK, on va tous se raser les poils de poche, puis on le calissait dans ce qu'il va manger. Fait que là, on s'est dit le poil de poche, puis il y en a un qui s'est gâté. Puis il revenait avec des poils mouillés. Puis je fais, tu sais quoi ça? Ouais, ça, c'est mon trou de cul. Là, j'ai fait, oh, tabarnak. Le gars, il voulait se faire une sandwich. Puis, genre, tu sais, moi, j'étais au grill. Puis là, il voulait avoir une poitrine grillée, genre, pour faire son sandwich. J'étais comme, hey, je vais le faire gratiner. Ça va être fucking bon. Puis tout, je suis comme, alright, ça va être bon, mon chat. Ça passe encore mieux en dessous du cheese. C'est ça. Oh. Oh. Fait que là, genre, moi, il arrive pour le faire, à l'étape de le faire gratiner. Je fais, hey, tu irais-tu me chercher ça, s'il te plaît? Il me dit, OK, c'est bon. Il est parti me chercher, genre, ce que j'ai demandé. Fait que là, je mets le fromage, puis comme un cas, je mets les poils par-dessus. Oh! En fait, tu l'as mélangé avec. On les voyait. Je mets dans la salamandre, genre le fromage qui gratine dessus. Fait Chris, c'est dégueulasse. Tu as comme des poils dessus. Genre, on voulait faire une joke. Oh, excuse-moi, je vais te repartir une autre. Puis là, genre, au moment de gratiner, je vais le voir. Mais quoi? On voulait te faire une joke, on va te repartir une autre. Moi, tu fais ça une fois, je dis pas ouais. Parfait. Je t'ai bien attrapé. Je sais pas, le gars, c'est fait tes timidos secondaires, il voulait s'intégrer. Il a fait OK, c'est drôle, là, je sais pas. Là. Puis en tout cas, fait que là, le gars, genre, il finalement, je repars une autre, puis au moment de gratiner, je lui redemande d'aller me chercher.
chercher de quoi. Il est retourné me chercher de quoi. J'ai fait, oh tabarnak, pogné le fromage, j'ai mis par-dessus, j'ai remis d'autres fromages par-dessus, j'ai fait gratiner. T'en as mis plus. Ouais, j'ai mis plus de fromage. Puis ce qui est le plus drôle après ça, c'est que. Ouais, c'est un sandwich. Ouais, ouais. Il s'est fait la toilette. Il a pris la poitrine, puis là, il prenait son temps. Il a sorti son wrap, il a sorti tous ses aliments qu'il voulait mettre dans son wrap. Là, il fait son wrap, puis il est tout content. Steve, je le vois slicer son petit poulet. Là, il met ça là-dedans, puis tout. Puis là, là, il est tout content. Il a fait sa recette, puis ah ouais, donc là, là, je le vois pogner le sandwich, puis c'est pogner une petite bonne poignée dedans, puis une bonne croquée. Mm. Puis là, il me regarde, puis il dit tabarnak, man, c'est débile, esti. Là, moi, j'étais à côté. Débile! Moi, ouais, en criant de même, comme si c'était un esti de. En tout cas, whatever. Meilleur que d'habitude, c'est quoi l'ingrédient sacré? Man, puis. Des poils plus bien, j'en veux d'autres. Ça prendrait plus de poils de cul. Mais l'affaire, c'est que j'étais à côté de lui, moi, j'étais en face, là. Puis là, il me regarde, puis il dit, man, c'est débile. Ah, wow. Veux-tu goûter? Puis là, je suis comme, bof, j'ai déjà mangé. C'est correct. Puis je garde ça poker face, je ris pas tout le long. Là, t'es fort pour un. Puis une manée, j'ai juste comme. Je suis parti, j'ai été voir Marco, genre au grill, justement, que, avec les pièces à conviction qui étaient encore là, sales. Puis là, j'ai fait comme Chris, il m'a regardé, il m'a dit c'est débile. Ouais, puis il disait tout ce qu'il y avait dans sa sandwich. En plus, là, j'ai mis ça, puis man, il a pas ri une crise de fou. Ouais, t'es bon, man. T'es vraiment bon. Stone Cold Kill. Sérieux, j'ai éclaté, genre, de rire, j'ai braillé de rire rendu à mon frère, justement. Puis, ah, tabarnak, que c'était drôle. Ah, mais là, ça mérite, cette joke-là, là, pour pas avoir cheaté, d'avoir juste gardé là. Ça, là. Wow, pour vrai, c'est de pour tout vrai, beauté, là. Pour vrai, j'étais là, puis j'étais comme, ouais, c'est bon, OK. Là, j'étais genre, tu sais, comme, le style j'étais sur le bord de craquer, là. Ah, tu sentais les murs, tu sais, failé un petit peu, là. Mais il avait mérité. J'en ai un autre, d'abord. Parle de choses méritées. Mais t'as pas eu peur qu'il fasse un peu comme dans South Park, quand Norman doit mourir, qu'il fasse ses parents, puis qu'il fasse manger dans son chili. Je t'ai fait bouffer. Ben, on y a juste jamais dit. Alors, Ghislain, t'apprends ça maintenant. Mais moi, après, pourquoi vous en avez-tu mis des poils à mon affaire? Ben non. Fait pour vrai? Ben oui. Là, t'es le... Ben là, pour vrai, t'en as mis? Ben non. T'es le... T'en as pas mis? Ben oui, on l'a mis. Là, c'est moi, je savais qu'elle tenait pas de chez eux. Il n'y a jamais su. Mamie, il a juste arrêté. Il y a le sens de l'humour, man. Ouais, ça a duré comme 3 minutes. Genre, ouais, t'es mal, je ne saurais pas. Je fais partie de la gang. Oh, mais t'allais compter un shit dégueulasse? Ouais, ou... Non, mais c'est un dégueulasse mérité. Non, parce que c'est dans ce thème-là. C'est gratuit, c'est un peu plus plate. Il y avait cette serveuse super gentille. J'ai un mec, fait qu'on l'a violé. Dans le container. Non, mais j'avais une relation avec une collègue de travail classique en restauration, tout ça. Puis, faisait un bout qu'on était ensemble, mais elle m'avait trompé comme multiple fois. Puis, à un moment donné, le gars, un de. En tout cas, les gars, on est cons des fois. Puis, je l'avais repris comme quelques fois parce que j'étais amoureux et tout. Ouais, je comprends. Tu sais, puis là. L'amour. La petite compassion, le petit. T'es calme, ok. Ah, on est-tu tout passé par là? Le gars, il savait pas que je savais que c'était lui. T'sais? Okay. Il venait, c'était comme un semi-client régulier. Puis, t'sais, il aimait bien ma blonde, mais ça n'a pas compté ensemble. Mais en tout cas, il a couché avec. Oh, whatever. Puis, ce gars-là, personne, en fait, surtout moi, ne l'aimait pas bien, ben, hein, on comprend. Certaines raisons. Il était peut-être bien correct, ce gars-là. C'est vrai, l'adultère, quelque chose en mode maintenant. Puis, lui, t'sais, il s'assoyait tout le temps au bar, whatever. T'sais, puis là, à un moment donné, là, j'étais en tabarnak. Puis, je suis pas censé faire ça. Puis, j'étais le patron sur place, en charge. T'sais, puis là, je m'en vois les cooks en arrière qui sont tous mes bons chums aujourd'hui, puis c'est vraiment drôle s'ils écoutent ça en ce moment parce qu'ils vont s'en rappeler. J'ai dit là, les gars, je sors un 20, puis là, j'ai le temps haut et haut, puis je dis, je donne 20$ à n'importe qui crache sa table 1 dans le plat 1 du client 1, genre, parce que c'était 100+. Puis tu sais, les gars font comme, tu sais, ils font comme Chris Mick, on peut pas faire ça. Tu sais, je perds ma job, whatever. Je dis, je dis 100$. Hey, une seconde après, man, je me le fais pogner. Le gars, là, pour vrai, là, tu sais, je le limiterai pas. Mais tu sais, mettons qu'il l'a gratté pendant au moins une bonne minute. Ça va la peine. Puis en plus, c'est un cuisinier qui est clairement, c'est un fumeur. Là. il n'est même pas fumeur, mais le gars, je t'ai dit, j'ai jamais vu quelqu'un mettre autant d'efforts dans un crachat de l'histoire de tout ça. Pour 100$, mais pour 100$, tu craches une heure de salive. Hey, moi, pour 100$, je chie dans le là. Sérieux, là. Ça prendrait de la bile. Hey, c'est sérieux, là. C'est comme une huître. C'est comme une huître. C'est comme un.
tu sais, puis c'était un truc poêlé avec des pâtes, tu sais, fait que c'est tout mixé puis tout, puis écoute, non. Parfait. Ah non, c'était juste les crimes parfaits. Mais la consistance était tellement importante du corps étranger que honnêtement, tu sais, ça a ajouté de l'Alfredo dans sa bolognaise. Oh, puis le gars là, il a léché le fond de son assiette, il a tout mangé, tu sais, puis il me dit puis tu sais après ça, c'est en plus la fin de conversation, tu me dis j'ai su que c'était ta blonde finalement, tu sais, sans rancune big, tu sais, je savais pas. Hey, sans rancune big, hein. Sans rancune. Oui, moi je regarde ton assiette puis elle est carrément vide là, je suis comme yes. By the way, merci Larry. Shout out à Larry. Le gars qui me dit sans rancune big, j'ai fourré ta blonde. Genre, t'aurais dû éjaculer dans ses esti. Plus jeune. Oui. Ben non, mais tu sais, ici, c'est ça. Fait que mais finalement, tu sais, il avait bien tout gobé avant. Fait que je trouvais ça vraiment bien circonstance. C'est sweet revenge. Ouais. Oh, oui. C'est juste parfait. Exactement. Il a jamais su, là, ici. Oh, mais c'est un gros cœur. Oui. T'aurais dû nous appeler, nous autres, on coupe nos poils pubiens, mon tabarnak. On dissimule ça d'un crevette. Mais c'est la différence de discours entre le 20$. Hey, les gars, 20$. Hey, non, je perds ma job. Tout ça, 100$. Le haut de tabarnak. Il était tout prêt. Une gang de coups, qu'est-ce que c'est? Ils ont tout arrêté. Ce qu'ils faisaient, là, puis là, c'était qui le premier? Ils ont juste dit non pour négocier. Ils ont vu que c'était vraiment tabarnak. 20$, ouais, non, 100$, alright! Tu sais que tu passes dessus de 5 fois. Ah non, mais moi, c'est comme ça, tu sais, mais c'est le billet d'après. T'as pas pensé à. Tu t'étais pas dans la cuisine, genre? Non, mais moi, j'étais le boss, là. C'était impossible que je fasse ça, là. Ah, c'est drôle, en quête. Mais je dois y penser. Ton boss te dit, c'est un bonus de 100$. Crash dans l'assiette, tu crois. Mais quelque chose de très barré de la mafia, de genre, hey, la table là-bas. Noi. Vas-y. Crame son assiette. Mets une tête de cheval dans son char, resti. C'est ça que je veux. C'est la chute. Karma a fait en sorte que quand tu manges ta blonde, après, il y a le crachat qui ressort. Je suis pas dédaigneux, mais c'est ça, là, il m'a écœuré. Oh, shit. Au moins, t'avais une satisfaction de le voir licher le fond de son assiette. Ah, c'était de toute beauté, ça. Mais en plus, les Hey Big sans rancune, c'était comme... C'est parfait. Alléluia. C'est une scène de film, c'est ça. J'ai marqué cette date-là dans mon calendrier. Là. Ah, ouais. Ah, ben, c'est malade, tu manges des huîtres à chaque fois. Je sais pas que ah. Ouais, sans rancune, j'ai fourré ta blonde sans rancune. J'ai mis le gros morceau de crachat dans ton assiette que tu viens de manger. Ah, ouais. Ben non, c'est une blague. Sans rancune, sans rancune. Ce serait drôle en plus, parce que ce fois-là, il trouvait que ça avait coûté bizarre ce fois-là. Ah, c'est ton assiette. Mais le meilleur, c'est vraiment que t'as serré sa main. Tu sais, mettons, t'as serré sa main ou peu importe ce qui s'est passé, genre comme sans rancune. Ouais, sans rancune. Tu sais, comme t'as dit, comme. Mais tu sais, si j'avais pas réagi différemment, tu sais, si j'avais pas fait cette affaire-là à 100$, tu sais, qu'il m'aurait dit sans rancune, big, je pense que j'ai collé ça à la tête sur le bord. Ouais, mais oui, c'est comme. Sans rancune, c'est comme, c'est pas à toi de dire ça. Chris, va chier. Tu décides pas ce que je ressens. Va chier. T'as pas le droit de, genre, t'approprier le pardon. Ben oui, cette situation-là. Hey, by the way, je suis correct avec ça. C'est ça. J'ai couché avec ta blonde, mais hey, je suis correct avec ça. C'est correct. C'est ça. Je m'en veux pas. Let bygones be bygones. T'sais, moi, je suis correct avec ça. Toi, avec, j'espère. J'imagine. Ouais, c'est sûr. Parce que si j'étais à ta place, je serais vraiment correct avec ça. Mais j'imagine que t'as vu plusieurs clients différents. T'as-tu déjà eu un client qui était genre sous-mort ou t'sais, comme une espèce de. C'est clair que c'est déjà arrivé. Mais t'as-tu une anecdote qui te vient en tête, mettons, d'un client en particulier où ça a mal viré, par exemple? Ah, une histoire de boisson. Tabarnak. Yes. Et comment? oh boy. Il doit en avoir plusieurs. Mais t'en as plusieurs. Vas-y avec la meilleure qui vient. Celle-là, je pense que je n'ai jamais compté en plus. je travaillais à Cage au Sport. Puis, tu sais, les matchs hockey, UFC, tout ça. Ouais, c'est un jour de Repentigny. Juste une question de name drop. Repentigny. Et on avait dans le temps une barmaid qui s'appelait Martine. Puis Martine est 5 pieds. Martine a fait de la boxe depuis qu'elle a 8 ans. Elle a une ceinture. Je sais même pas si elle a une ceinture noire ou quelque chose. Pour vrai, Martine, elle casse la gueule à nous 5 ensemble, tout dessus. Eux, ils font du Muay Thai, est-ce que c'est ça? Pour vrai, pas moi, par exemple. Ben, pour vrai, moi, elle me tue, là. Je sais même pas. Moi, elle m'encule avec son gros clit. Okay? J'ai pas de défense contre ça. Martine, pour vrai, c'est toute douce, c'est adorable, elle est fine. Mais elle a une shape de gars un peu parce qu'elle s'entraîne à fond. Ouais. Elle a des plus gros pipes que moi. Mais elle est douce comme un ange. C'est un ange. Okay. Puis là, il y avait deux gangs de gars trop chauds. Il y avait une gang qui ça faisait fucking longtemps qu'il était là. Puis une autre gang qui s'est pointée. Puis clairement, ceux qui ça faisait longtemps qu'ils étaient là sont super chill.
sont chauds raides, mais tu sais, ils cherchent pas la marde, puis tout ça. Puis à un moment donné, gang de chauds, de gars chauds qui se pointent dans le bar, puis ils commencent à harceler Martine, tu sais. Puis Martine, tu sais, elle est toute douce, elle s'en calisse, tu sais. Puis comme elle essaie d'être fine, puis il y a un des gars de la première gang qui fait comme, hey, les boys, tu sais, laissez-la tranquille, tu sais. Puis il y a un gars, il arrive, puis il y arrive pour swinguer le premier. Sacrement. Mais sur là, Martine? Sur le client, tout ça. Puis, tu sais, comme le gars, il l'évite, tout ça, mais là, ça se met à brasser. Puis là, ça le monte, ça commence à se mettre de gauche à droite, tout ça. Puis, tu sais, il y a moi qui est là, moi, puis mon 5 et 8, 140 livres, tu sais, qui est là, puis qui essaye, que je me mets entre les crews en essayant de calmer ça avec mon. Avec un boss boy, esti, 16 ans, il commence à s'entraîner. Lui, il pense qu'il a tout vu, mais là, il se rend compte que ça brasse pour vrai, tu sais. Esti, ouais. Puis là, tu sais, on essaye de distancer le monde. Puis, tu sais, ça marche pas bien, bien. Fait que là, moi, je quitte là, j'appelle la police, esti. Puis pendant que je suis en train d'appeler la police, je vois Martine qui saute du bord. Puis, pouf! En éclatant, après ça, t'as l'autre en arrière. Pouf! Elle knock l'autre. Puis après ça, t'as l'autre qui arrive pour s'essayer puis qui est arrivé pour la soigner. Tu sais, tu soignes une fille. Cinq pieds. Puis elle fait pouf! Elle les knock, là, les trois. Wow. One shot, tout le monde. Pac, pac, il y en a un qui s'est pété la tête sur le bord. C'était pas drôle. Ça saignait en crisse. Oh, wow! Genre, pow! Ça s'est passé en 3 secondes. Tau! Puis là, après ça, Martine, elle se sentait pas bien. Parce que selon elle, tu sais, d'utiliser sa boxe, c'est une arme, tu sais, puis là, elle filait pas, là. Mais tu sais, elle venait clairement de calmer la situation en un instant. Bam! C'était fini. Là, la police, elle les a ramenés les trois quasiment inconscients. C'était de toute beauté. Elle avait l'air d'un tenancier de bar au Far West. Elle sort son shotgun, mais elle, c'était des coups de poing de la crise de mort. Mais tu sais, de la voir, tu sais, parce qu'elle est haute comme le bar, tu sais, puis elle a clairement comme, tu sais, comme en 100 mètres, elle, là, mais genre, tu sais, passe par-dessus. Pow, genre, ça a eu l'air de faire mal pour elle. Le premier. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait, puis quelqu'un qui a genre vu des combats à TV. C'est ça. J'ai écouté John Wick, je sais comment me défendre. J'ai vu Rocky. Ça marche. Ben ouais, le gars, tu y grippes le chandail, puis ça fait fuck all. Si je me battais dans une cage, je te dis ce que je ferais. Ouais, c'est ça. Gars, tu le fesses fort, ça y est. Non, gars, deux shots. D'en face. Ouais, des petits combats par terre de monde qui vont juste se coller. Ben, non, reste de comme un gars. Ça prendrait 2 secondes, il te casserait le bras. Les coups de pied, ça, c'est gay. Mais ça, c'était particulier. C'est quand même nice. Ah, c'est une belle anecdote. Surtout quand tu veux une fille qui l'a. Ouais, non, exactement, c'est parfait. Puis elle arrête, puis elle est calme, puis quand je suis vraiment désolé, là, j'espère que je serai pas dans la merde. Non, mais tu sais, il était vraiment fatiguant. Là, elle était vraiment fatiguant. Tu sais, elle était là, tu sais, il a traité toutes les estinons. Je peux même pas répéter ça. Tu sais, genre, c'était tellement pas fin. Puis genre, Casti, j'étais content pour elle. Je vais lui donner une promotion. Le mot exact. Promotion. Il a traité de tous les noms possibles. C'était pas fin. C'était vraiment pas fin. Excuse-moi. C'est beau, exactement. Voir le monde qui le mérite. Ouais. C'est l'affaire qui j'imagine que ce soit des poils pubiens, que ce soit du beau crachat dans ton assiette, que ce soit trop gars qui se font knock-out. Genre, hey, une façon pour finir ta soirée comme de la merde. Ça fait penser une fois à l'hôpital, la face pendue. Mais ça, c'est pas pire. Moi, quand je suis rendu fâché contre quelqu'un, je suis vraiment rancunier. Ah ouais, violent, ouais. Là, mais genre, je vais pas te frapper. Moi, je vais te jouer dans la tête. Moi, il y a un dude qui m'avait volé 3 fois dans un resto que je travaillais. Avant. Puis t'avais volé. Ouais, il m'avait volé genre du weed. Il m'a dit dans mon sac. Un autre employé. Tu travaillais? Ouais, qui travaillait. Hein. Puis première fois, je faisais c'était le seul qui volait. Je fais juste le caler devant tout le monde. Genre, bon, mais aujourd'hui, c'est moi qui suis fait voler par Dan, esti. Là, lui, il sent mal, il me le redonne. Fait que là, je serais mal triste. Fait que c'est toi qui m'avais volé, esti, pour vrai. J'avais pas de preuve, là. Il me revole une deuxième fois. Là, je l'ai pogné plus en bas. J'étais comme, man, la prochaine fois que tu me voles, je te fais vraiment mal. Il m'a volé une troisième fois. Puis là, pendant. C'était vraiment juste l'intimidation hardcore. Là. Pendant 2 mois, j'étais comme, là, parce que ta mère est fière de toi, honnêtement. T'as 32 ans, tu travailles dans un fast-food, tu envoies de l'argent pour de la drogue. C'est clair qu'elle a un peu honte, Dan. Pense-y, Dan, un peu. Puis, qu'est-ce qu'elle va penser quand tu vas perdre ta job? Sans Dan. Arrêt. Puis je disais, hey, personne t'aime ici. Le BS pour du monde comme toi. Je suis comme toi, est-ce que tu l'aimes? Wow. Non, tu vois, elle t'aime pas, toi. Puis j'étais vraiment hardcore. Hey, il m'a volé ça, 3 gangs. Tu pas. C'était quasiment ça. On a fait les cons de savoir si tu méritais de vivre. Puis finalement, on s'est rendu compte que. Hostie.
Non, mais c'était Chris Boss, mais lui, il pensait que j'allais le péter à gueule. C'est vrai, Chris. J'aurais pu m'emmener, mais je suis comme, non. Ta vie ne mérite pas d'être vécue, Dan. Calisse, allume, tabarnak. J'espère qu'écoute, on se barre le casse. Ah ouais. Dan, mon tabarnak. Ouais, tue-toi, cette paroi de fausse sceptique. Si tu nous as donné une pièce sur le Patreon, on te la redonne tout de suite, puis tu peux aller tuer avec, mon Chris. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, avec l'annonce Patreon, on aurait acheté de quoi? Genre une arme ou. Non, ouais. Juste. Une arme, c'est cher. Ouais. Ben, on peut être du fentanyl. Oh, ça, c'est pas cher. Ah, vraiment. Ça, c'est pas cher, par exemple. Ils connaissent clair, les spécialistes. Clairement, il va gober le fentanyl. Mais ça, un peu le fentanyl d'une capsule, disait, hey, c'est une speed. Il va la gober. Il prenait comme 19 speeds par jour. C'est un esti de loser. Ben, pas encore. Je pense qu'il travaille au Super C. Il doit être méga. Oh, il a upgradé. OK. Ça fait plus de monde à voler. Tu sais, une grosse surprise. Il y a une prime. C'est sûr que oui. C'est un. Un vrai loser. Il a vraiment upgradé. Dans sa vie de voleur, il a vraiment upgradé comme beaucoup de victimes. All right, cool. Il y a bien des options. Mais tu sais, surtout, tu voles tes collègues. À quel point tu as deux neurones dans ta tête? Tes voix à chaque jour, je le sais, c'est quoi qu'il y a dans mon sac, dans le vestiaire. Ouais. Personne se vole. Toi, tu arrives à la job. Quelqu'un se fait voler. Tout le monde sait que c'est toi. Ouais. À quel point tu veux que le monde te déteste? Là? Ouais. Exact. Surtout pour voler une 5 de weed, le calice. Ouais. Mais puis, tu sais, moi, c'est pas beaucoup, mais juste, faut y pas dans mon sac. Ben, c'est une question de principe. Tu voles pas des aînés, en tout cas. On avait une fille encore à s'excuser, là, mais. Non, je m'excuse, je parle de la histoire. Désolé, là. Mais non, c'est pour ça qu'on t'invite. Il y avait une fille, je travaillais dans un resto avant que tout se passait, tu sais, avec les puces, les cartes de crédit, puis tout. Il fallait que tu signes un petit papier, puis tu écrivais le pourboire à la main, puis tu signes après. Ah oui, OK, là, j'ai trop jeune. Ouais, c'est sûrement dans ce temps-là, dans le temps. La fille, dans le fond, ce qu'elle faisait, puis on trouvait ça vraiment, c'était particulier parce qu'on avait des appels de clients comme quoi que, des transactions passaient pas au bon montant, puis tout ça, puis ça se pouvait, l'erreur est humaine en quelque part. Oui. Sauf que elle, la petite tabarnak, c'est brillant, ça. Elle faisait des 9 avec les 4, puis elle faisait des 8 avec les 3. Fait que, mettons, tu donnais 13 piastres de type, elle a complété le 8. 18. Ça écrivait 18 à la place, fait qu'elle fermait la transaction comme ça. Puis, elle prenait le crayon de la même couleur. Elle avait à peu près 18 crayons de 18 teintes différentes. Moi, j'étais comme Chris, la fille, elle a son matériel, c'est nice. Elle checkait, elle regardait le crayon qu'elle prenait, tout ça, elle reprenait le même avec tout ça, elle écrivait exactement. Si, mettons, l'écriture était shaky, elle se forçait, la petite Chris. À un moment donné, on a essayé de traquer ça. C'est pas une bonne personne, mais au moins, elle a du travail. Là. Non, c'était bien, c'était bien fait. Non, mais c'était super bien fait. La manière qu'elle a faite, il a fallu qu'on la pogne sur le coup parce que pour vrai, il y avait aucune chance. Là, Fait que, by the way, si tu veux voler, dans le fond, fais quelque chose comme ça, mais non, tu peux. Ça, c'était particulier. Tu sois ingénieur un peu là, pour arriver à faire ça. C'était brillant comme manière de voler. C'est quand même brillant. Ouais, ben l'autre, c'est comme un autre spot. C'est trois fois. Ouais, je veux plier dans un sac. Non, mais il m'a dit pas d'être intelligent. C'est bien fucking gelé, puis il n'y avait pas de pote avant. Bizarre. On dirait que vu que c'est de l'argent moins facile, on est comme... C'est correct, dans le fond. Ben, non, mais c'est parce que, tu sais, à la limite, tu sais, un fraudeur, tu sais, on s'entend, fais pas ça, c'est pas bien. Mais s'il y a un travail derrière, j'avoue, c'est comme le loup de Wall Street, on trouve tout que c'est une histoire qui est nice. On le trouve tout un peu trou de cul. Puis dans la finance, c'est pas le plus grand des économistes, puis c'est biaisé jusqu'à temps que c'est dans ta poche. Là. Mettons des politiciens, mettons, qui nous fraudent, ben genre, tu vas être moins comme, oh, Chris, il fallait y penser pareil, tu sais. Génial comme système, ça fait juste chier que ce soit notre argent. C'est rendu loin pour une fille qui faisait des. Bon, le code, j'ai fait par au-dessus de l'épaule. Genre, j'ai remarqué tout ça. OK. T'as tout ça parce qu'on avait des doutes que c'était elle. Tu cherchais activement, tu savais si c'était genre. Mais non, mais nous autres, moi, j'avais tracké ses ventes, ses affaires comme ça, parce qu'en plus de ça, elle faisait une autre affaire classique en restauration. Si jamais t'as envie de voler ton employeur, puis c'est vraiment dur à traquer, si mettons, genre, toi, tu fais des cafés ou whatever, ce que tu fais, c'est que tu punches genre 18 cafés. Puis t'es ferme content, fait que genre la transaction elle apparaît nulle part, le papier de bon il voit nulle part, puis nous autres on traque pas le café parce que c'est gratuit pour les employés, mettons. Qu'est-ce qu'elle faisait? C'est qu'elle prenait, mettons, fait que ses cafés, mettons, elle les transférait de table à chaque fois. Fait que ce qu'elle faisait, au lieu de fermer les transactions de ses tables, dans le fond,
elle les transférait. Fait que, mettons, elle prenait ta liqueur de toi, t'arrives, tu vas manger au resto avec ta blonde, tu reviens, ton Pepsi, t'as payé en argent comptant, merci, bonsoir, elle arrive, elle prend ton Pepsi, transfère cette table, fait qu'elle vient de sauver 6$ sur ta facture à toi, à cette crise d'impoche, elle ferme la transaction. Elle utilise le même Coke à la table suivante, et ainsi de suite. Ah, wow, puis, OK. Fait qu'elle, elle nous volait, nous, de cette façon-là. Okay, c'est brillant, par exemple. Ah non, elle était solide. Cassandra, on se rappelle de toi. Genre, sérieux? Sincèrement, c'est brillant. T'sais, elle faisait ça, puis elle, on a commencé à avoir des doutes là-dessus, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait plus de pertes quand on était ses chiffres. Ouais, je me suis penché sur cette question-là. Parce que nécessairement, il y a des pertes à quelque part. Ouais. Genre, c'est impossible qu'il y ait... Cet argent-là n'est pas créé. Mais si, mettons, l'employé qui boit 8 litres de Pepsi pendant son chiffre, ça arrive... Tu vas l'accepter, mais celle qui, genre, qui faisait ça, ça c'était fucking intelligent aussi. Là. Puis c'est ça, on l'a pogné comme ça. Là, elle a... Ah, wow! C'est comme. Mais quand tu la pognes, est-ce que c'est toi qui as eu à. C'est moi qui l'ai pogné. Puis c'est toi qui lui as parlé. Non, mais j'ai regardé. Non, en fait, c'est parce que ça faisait vraiment longtemps que j'étais penché sur sa question. Ça faisait deux mois, tout ça, tu sais. Puis je savais que c'était elle, tu sais. J'enchaînais des liners. J'étais Tom Hanks dans Catch Me If You Can. J'étais juste sur le bord, là. Juste sur le bord. Puis tu sais, tu sais, mais genre, tu sais, mettons, des chiffres avant, pas les pré-chiffres, whatever, qu'on se parle du menu, comment qu'il a changé, whatever. Tu sais, puis je disais, by the way, on a remarqué beaucoup de pertes à différents nouveaux niveaux. J'accuse personne, mais clairement, il y a quelqu'un qui fait des vols. Puis je vraiment que vous arrêtiez maintenant parce que je suis en train, je vais vous pogner. Là. Je te dis, je vais te pogner. C'est deux mois plus tard. Tu regardais un petit peu dans les yeux. Je savais pas c'était elle. À ce moment-là, tu savais pas. Non, je savais pas c'était elle. Après ça, j'ai approfondi parce que là, oublie ça, les pertes rentraient. Puis là, c'est pas bon. Là. C'est moi qui est blâmé pour ça. Puis c'est avec raison. Puis là, à un moment donné, quand je l'ai pogné, elle était là, elle était cachée, tout ça. Je dis, qu'est-ce que tu calisses? Puis genre. Elle se retourne, puis là, tu es en train de compléter son fucking 8, là, sa carte de crédit. Là. J'ai pogné tard, genre, tu sais, t'es sérieuse, là. Puis là, elle a figé, ben raide, là. Hey, non, c'est une joke. Elle a figé, puis elle savait que c'était la fin, tout ça. C'est sûr, là. Puis là, ben, on lui a donné le choix, poursuite au civil, emprisonnement, toutes les cochonneries de tout ça, ou genre, tu nous rembourses le double de ce que tu nous avais volé. Ah, ouais? Oh, wow. En cash. On en a rien à foutre. On est chargé de double. Double de ce qu'elle nous a volé, de ce qu'on avait évalué. Elle a dit, c'est pas ça autant, j'ai pas. Je m'en crie, tu nous as volé. Puis, genre, on y est chargé de double, pas de dossier. C'est un deal qui est fair, sincèrement. Mais c'est pas de dossier. C'est un deal qui est fair. On avait checké, on aurait pu en avoir pas à qui s'entoure, là, genre 10 ans à peu près. 10 ans? Ouais, à peu près. Avec, en prison pour avoir... Ouais, parce qu'elle volait les individus, puis elle volait l'entreprise, puis plusieurs, puis c'était répété. C'est à peu près ça dans le temps. 10 ans? Pour Québec, c'est comme ans. C'est comme le maximum, probablement. Là, mettons, maximum, mais tu sais, ça veut dire... Au Québec, ça aurait fait 2 semaines, ouais, on sait. Ouais, 2 fins de semaine, à peu près. Parce que tu veux tes enfants boire du Windex, puis être... C'est vraiment comme... Ça veut dire qu'à amener ça en appel. Avec à boire du Windex, puis dire, OK, je suis en train de faire des dessins, là, je suis pas mentalement apte à répondre à colorier. Hey, ça peut-tu te faire un petit break cigarette, puis on recommence après? Absolument. Absolument. OK, ben on fait un break. Alright, fait qu'on est de retour. On est de retour. Oh yeah. Sinon, Michael, serait où la paye place t'aurais travaillé? Conditions de travail, une propreté, viol. Fais un top 3. Ouais, top 3 des 3 paye places. Dans le temps, c'était la domination des... je suis pas raciste, mais j'aime pas Y, mettons. Puis, OK, c'est pas du racisme. Mais les Y, c'est pas une race, c'est une nationalité, OK? Il y a une distinction à faire, fait que c'est correct. Mais les boss grecs sont tout le temps trop intenses. Moi, j'avais un boss grec qui s'appelait Lawrence Zamit. Puis là, je veux pas... C'est trop tard, je l'ai dit. Il écoute pas ça, Edwin. C'est un gros tabarnak. C'est sûr qu'il écoute pas ça. Puis moi, c'était ma première job dans un fast-food, esti. Puis lui, il te ramenait sur terre en tabarnak. Lui, c'était un espèce de gros porc dégueulasse. Il les serveuses. Tu sais, le beef jerky teriyaki, genre, lui, il en prenait 4 le matin. Il a déjà mangé un poulet complet, genre, du métro, qui a crissé dans la friteuse. Puis lui, il disait, Jean-François, viens vider mon panier, s'il te plaît.
Puis là, son panier, c'est sa poubelle. Genre, pis là, toi, t'arrives, ouais, ouais, tu rentres dans son bureau, tu pognes sa poubelle, puis t'habites dans la plus grosse poubelle qui est juste à côté. C'était vraiment. Puis là, il disait d'aller laver les toilettes juste après qu'il ait chié. C'était. Ouais, bref, t'as eu des grecs. Ouais, ouais. Mais c'est le même boss. C'était ce style-là qui m'a fait un peu. Yes. Le gars, il voulait tellement pas, genre, il aimait tellement pas l'opposition masculine, genre, c'était juste des filles. Moi, j'étais boss boy dans le temps, puis le gars me faisait des jambettes. Oh, what the fuck? Mon boss me faisait des jambettes, tu sais, avec un cabaret plein de verre que je peux me péter à la gueule. Le gars me faisait des jambettes. What the fuck? Ben voyons, il se trouvait donc bien drôle de me faire des jambettes. Ben voyons, t'as. C'est un cabaret plein de verre, tu vas tout t'ouvrir la face. Ben, il y a une shot pour vrai que j'ai vraiment failli tomber, puis j'ai vraiment failli me casser à la gueule, mais grâce à tout le sport que j'ai fait quand j'étais plus jeune. J'ai pu rétablir l'équilibre de tout ça, mais tu sais, j'avais regardé, puis tu sais, les jambettes, c'est pas drôle, puis genre, là, tu me fais une jambette, c'est dangereux. Tu fais quoi, là? C'est genre d'intimidation de base. Ouais, exactement, c'est qu'on est dans un école primaire. Oups! Tu t'arrêtes ça, genre. Il m'aurait chiolé après que j'ai cassé les verres, tu sais. Il m'aurait chargé, genre. C'est ça, c'était un peu particulier. Puis c'est même, évidemment, que lui, tu sais, il approchait toutes les jeunes le plus possible. Tu es une promotion, ma belle. Puis, tu sais, il y a eu une séquence de ça avec une fille que je connais d'ailleurs qui a fini par le dénoncer. Mais comme on parle de 5 ans plus tard, puis tout le processus qui s'ensuit, plate, là. Je m'excuse, c'est censé être drôle, mais genre, tu sais. Non. On aime toutes les autres. Cette situation-là, c'était particulier. Fait que ça serait, mettons, c'est pas la pire place que j'ai travaillé pour l'atmosphère, les clients, whatever, mais côté patronal, abus, c'était top 1 sur ce site-là. Je comprends pourquoi, Chris. Ah, c'était particulier. C'était vraiment particulier. Sinon, pire place, Dirt. En fait, j'ai fait un chiffre à cette place-là. C'est un resto à déjeuner. Une chaîne très connue, là. Tutti quelque chose. Là. Ça commence par ça. Ça finit par Frutti, je pense. Ouais. Tutti Fucky. Puis je rentre là, tu sais. Puis premièrement, la personne qui m'a engagé n'avait pas informé les employés comme quoi qu'il y avait quelqu'un qui était engagé cette journée-là. Oh, wow. Fait que j'arrive là, tu sais, puis comme, ah, ben, OK, ben, place ton truc dans le vestiaire. Tu sais, c'était déjà louche un peu. Je voulais pas vraiment travailler là, tu sais. C'était comme dernier choix, tu sais. Ouais. Puis, m'emporter mon manteau, tu sais, puis en ouvrant le garde-robe qui est de vestiaire des employés qui était à côté de la plonge, en même temps, j'ai un nuage, une nuée de bébites. Puis, tu sais, j'aimerais ça exagérer, mais non. Oh, wow. Une nuée tabarnak. De bébites qui me heurte au visage. What the fuck? Puis, tu sais, je suis comme... Ah! Puis, tu sais, là, sur le coup, je me dis que j'ai besoin d'un job, là. Fait que, tu sais, OK, tu sais. Puis là, m'arrive, là, ça va, serre les premières tables. J'ai aucune idée de ce que je fais parce que Chris, puis, tu sais, la fille qui me forme, elle savait pas, puis elle a aucune idée de ce qu'elle fait, elle aussi, dans le fond. Puis, tu sais, je serre la première assiette, tu sais. Puis, la première assiette, genre, la cliente le retourne, il y a une chenille dans l'assiette, t'sais. What the fuck? Ah, tabarnak! Chenille! Non, mais une belle chenille, là. Tu sais, comme un. Avec du poil, là. Ouais, ouais, non, mais une belle, tu sais, une belle. Oh, pas un bébé chenille à laitue, là. Non, non, tu sais, une belle. Ouais, à... il se bat un cocon, là. Ouais, ouais, non. Genre, il a fallu que tu t'en calisses pour que ça soit là, là. Oh, genre, ouais. C'est pas fait exprès. C'est le new guy, tu sais, on va voir comment il va réagir, au lieu d'aller me faire chercher de la steam dans le congélateur, tu sais, mettons, comme le classique. Tout le monde fait ça pour ici du monde dans des restos. C'est drôle, mais là, on faisait croire ça à un gars, puis le gars, il était quasiment en train de pleurer. Je sais que ça existe pas, mais on était comme, mais non, faut que tu y ailles. vas-y. C'est tellement chiant. En plus, c'est comme, il fallait qu'il y ait dans un autre resto, le gars, il a 15 ans, il vient d'avoir une job. Ah, ouais, genre, c'est comment tu fais là-bas demander de la blue steam, là, ça te prend ça. Je sais que ça n'existe pas. Non, faut que tu y ailles. Ouais. Moi, au moins. Ça va, j'ai plus d'un viol. Au moins. Moi, j'ai jamais vécu ça parce qu'au moins, Marco était comme déjà là où est-ce que je suis rentré, puis il a fait comme moi, la blue steam, by the way. Ouais, la c'est crise pas ça que de ouais, c'est mon petit frère. Fait que genre, c'est j'ai juste fait comme. Ils m'ont demandé, hey, veux-tu aller chercher de la blue steam? Ouais, la blue steam, ouais, t'en mettras dans le cul, t'as pas ouais, ça. Blue steam. Mange la marde. Ouais, ça, j'ai même pas fini le chiffre, puis c'était. Non, j'ai fait non, je peux juste pas. Ah, ouais. C'est je suis désolé, mais. C'est déjà le chaos partout, genre. Ça m'est passé, genre, quand j'ai fait mon départ en cuisine, justement, il fallait faire un stage de déjeuner, puis j'étais allé au Tutti Frutti à Boucherville. Oh, wow. Puis il fallait faire, mettons, exemple, je pense que c'est 40 heures de que de même, là, puis il fallait que le gars te signe pour tes heures. Puis là, je rentrais pour comme genre 5 heures le matin. Genre, tu sais, je rentrais, mettons, à 5 heures le matin, puis je suis initié à genre 9 heures. Puis là, il me dit, genre le lundi, non, le mardi, je pense, il me dit, ouais, demain, si tu veux, rentre pas, c'est pas grave, mon chum. Puis là, moi, en plus, genre, tu sais, j'avais 18 ans, puis il y avait des spéciales, les mardis au fouf. Fait que j'étais ben comme, oui. Ah, c'est fou. Job idéal. Ah ouais, mais c'est vrai, les pichés à 5 piastres. Ah oh oui, c'était mon vieux temps-là.
J'ai jamais été là dans ce temps-là. Sinon, y a-tu une shot? Moi, je trouve que dans les bonnes anecdotes de resto, puis y a-tu une shot que t'as crissé ton camp d'une place? Ben oui. Ben le tout foutu, ça sonne de même. Ça sonne de même. Ce qui vient juste de dire. Ça m'est arrivé deux fois. Tu veux laquelle des deux? Les deux. N'importe laquelle. N'importe c'est que ça... Si je vois dans tes yeux, comme je peux pas compter ça. On va le faire mal pareil dans Chris, nous autres. Ah, c'est pas ça. Personne n'est ça. On s'aggrave pas. Cherchais encore un emploi parce que je venais de quitter un. Qui était pas. C'était vraiment pas, encore une fois, un truc de saleté qui rentrait pas dans mes normes de vie. Là. Cuisinier qui échappe la salsa à terre, puis qui reprend la cuillère, qui remet dans le pot, puis qui remet ça là. Puis moi, j'arrive, puis je sers ça, puis je vais dire non, sérieux, le garde, by the way, mange pas ça, puis genre, je fais juste crisser mon camp. Oh, ça, c'était crisser mon camp, mais ça, je te considère comme c'était justifié. T'sais. Ah, tu l'as fait demain en plus, là, c'est cool. Mais faut cool tout le temps que ça soit justifié quand tu crisses ton camp. Mais la shot, la shot, là. J'avais un boss asiatique, peu importe, ça change rien qu'il soit asiatique, mais il y avait clairement un complexe de petit pénis, c'est sûr et certain. Genre, il sentait pas bien, là, dans sa peau, là. Vous autres avec vos grosses graines. Ouais, ça. Vous avez tellement de gros pénis. Oui, comme dans South Park, qu'est-ce que je me rappelle de cet épisode-là? Puis, les chin Pokémon. C'est vieux, ça. C'est trop drôle, cet épisode-là. Puis, tu sais, lui, il gueulait après tout le monde. Puis, tu sais, c'était un overpower trip. Puis, tu sais, il se la racontait. Mais, tu sais, au pire, je m'en crissais. La job est payante. C'est propre. C'est ce qui est important, tu sais. Puis là, j'avais punché. J'avais envoyé café latte au lieu de cappuccino. Tu sais, c'est le piton en bas. Tout ça. Puis, tu sais, j'ai mes parents qui sont venus manger pour la première fois. C'était mon nouvel emploi. T'sais, mon père, t'sais, profil de mes parents. Ma mère, aucun filtre. super bonne madame qui a tellement de bonté à donner puis qui cherche toujours les solutions au lieu des conflits. Puis mon père, que lui, il parle pas pour rien dire. J'y ai jamais sacré de sa vie. Okay. Ah ouais. Après moi, il a déjà sacré. Ouais, après toi. Ah, mais c'est pour ça que je savais pas, vous êtes demi-frère. Ouais, c'est ah, ok, ouais, ouais. Faut mettre le lien. Ça marche pas, là. Ah oui. Puis ça, puis en tout cas, avec moi, mon père n'a jamais sacré. Puis là, tu sais, mes parents viennent manger ensemble. Ils sont plus ensemble, puis ils viennent manger pour passer du temps avec leur enfant qui ne voit pas au resti. Puis là, le patron, il me gueule bord en bord la salle à manger, puis on parle d'une bonne superficie. Là, c'est long, là. Tous les clients ont entendu dans la salle qui me criaient après pour un café latte, tu sais. Tu sais, moi, je fais rien. Tu sais, j'ai juste... Tu sais, je comprenais pas pourquoi ils me criaient après. Ouais. Juste pour ça. Il dit, « tu vas les payer, tabarnak! » Tu sais, puis je suis comme ça. Tu sais, je fais rien comme... Tu sais, j'étais à la table de mes parents, en plus, à ce moment-là. Tu sais, puis je fais rien comme ma mère, tu sais, bleu marin. Aucun, il a réussi. Genre, non, ma mère, comme là, elle est prête à le tirer, là. Genre, tu parleras pas à mon enfant de même, tu sais. Puis je sais que je peux pas me fier au jugement de ma mère dans ces cas-là, parce que, tu sais, elle ferait pas de mal à une mouche, à part si tu me fais chier, genre. Ouais. Puis là, bon, tu sais, je regarde mon père, tu sais, qui est tout le temps, comme, rationnellement, comme ça, tu sais. Puis je regarde, je dis, qu'est-ce que tu ferais si t'étais moi, tu sais? Non. Puis mon père, ses mots, il dit, je calisserais mon camp. C'est la première fois que je t'entends sacré, esti, genre, j'ai 28 ans. Oh shit, tu sais. j'ai regardé, j'ai mon père, puis je suis sûr qu'il me niaisait, parce qu'il est un peu pince en rire des fois, puis là, je regarde, puis là, il me dit, non, on calisse notre camp. Je ramène à la maison. C'est mad. J'ai juste donné ma... En fait, j'ai regardé mon boss de loin, puis j'ai pris ma poche de service, puis j'y ai lancé aussi loin qu'il m'avait crié après, dans le fond. Mon rêve de crissage de cœur, à un moment donné, dans les restos, quand un serveur échappe de la ville, puis ça pète, puis tout le monde applaudit. T'envoies chez ton boss, c'est juste chier, drop ça. Une coupe de vin, puis là tout le monde applaudit. T'en vas, t'as drop de mic. C'est mon rêve de ça. Avec les applaudissements. Ben oui, ça prend ça. Quand même. Ça, j'ai jamais fait. Tu lèves tes bras dans les airs, comme motherfucker. Comme dans American Beauty, je sais pas si vous avez vu. Ben oui. Tu sais, genre, le dude qui travaille, je m'en rappelle trop, je pense qu'il est serveur pour une compagnie, pour une soirée, genre, pis t'as comme le Kevin Spacey, qui est le personnage principal, qui est là, pis genre, il fume un bat avec, je sais pas pourquoi tu fumes du pot, fait, ben, vous avez pas besoin de me payer, fait, hein?
moi je m'en vais là. Juste comme le père qui est de 40 ans comme Chris il est badass. Oh wow, il dit je vais être ce gars-là jusqu'à temps qu'il voit ce qui sort après, puis comme ouais finalement ouais c'est sûr c'est correct. Oui, tu as 14 ans, faut ouais. Moi j'en ai vu un boss une année, on dirait tu sais un genre de vieux blasé genre qui était comme écœuré d'être là genre. Le gars une année il fait un club sandwich avec de la maillot dedans, puis finalement genre c'est comme c'était sans maillot. Fait que là, il fait juste comme genre, il enlève le maillot, puis il le laisse sur le bord. Non, je pense qu'il a même laissé le maillot dedans. Il le laisse sur le bord, puis il attend. Il dit, on va le repasser tantôt. Je te jure, là, 5 heures plus tard. Là, il l'a repassé. La maillot était rendue dégueulasse. Le pain s'était rendu un crouton, là, pour vrai. Il est comme, on va le repasser. Je suis comme, Chris, c'est 3 tranches de pain. Il fait, ben non, on va le repasser. Il s'est encore jeté le repasser. Ah, ça, c'est intense. Ça te passe. C'est dégueulasse. Honnêtement, le gars était. Il aurait pu empoisonner quelqu'un. Ouais, il aurait pu tuer quelqu'un. Cet homme-là, c'est un terroriste. Ça vaut quoi, genre 30 cents, tes 3 hosties de 30 de pain? Passer des nouvelles, tu vas perdre un client qui va parler de toi en mal. Ben oui. Le gars, c'est encore une manée, hostie, genre, il servait des steaks, des fois, il n'y en avait pas souvent, fait qu'il tenait congelé. Puis là, mettons, quand il y avait une commande, Chris, il y avait une espèce de bac à eau, genre, que t'étais pas. Fait décongeler sur le fait, genre. Ouais, avec l'eau courante ou quelque chose. Non, ça, c'est un bac avec de l'eau qui était comme sur le bord d'être bouillante juste pour réchauffer les pâtes. Mettons, oh, Chris, genre, mettons des spaghettes, des même, genre, ouais, il pogne le steak, il le déballe, il colle ça en dessous de l'espèce de passoire que tu mets les pâtes dedans normalement. Ben voyons, pour qu'il réchauffe, là, il met ça en dessous. Je suis comme, qu'est-ce que tu fais là? Oh, pas grave, c'est dégueulasse, fais pas ça. Genre, le steak a cuit, puis un steak bouilli. Ouais, il bouillait. Il a recrissé sa plaque, puis là, il le perçait avec une fourchette. Comme, il va être tout sec, ton steak. Fait, oh non, ça va être parfait. Ça va être al dente. C'était une pizzeria, j'ai déjà vu faire une pizza, puis genre, c'est un de mes chums qui livrait, puis là, t'es comme, Chris, Carmelo, tu vas pas servir ça. Puis là, j'ai dit son nom. clairement, personne va écouter ça. Ben là, non, je te dis, tu pognais à boire de pizza, puis t'as bougé de même, puis la pizza était tellement petite que tu l'entendais aller cogner partout dans la boîte. Là. Oh, wow. C'est genre, au pire, une small, tu vas dans une boîte de médium. parfaite. Avec la Steam, ça va être correct. Ben oui, elle va prendre l'expansion avec la Steam dans la boîte. Ben oui, Chris. Ah, mais ça, tu mets Gordon Ramsay là-dessus. Ça te prend un blond avec un gros nez. Non, c'est un vieux blasé qui s'en colle. Ça prend le gars de Bar Rescue. Tu sais, le gars qui pète des bouteilles de vodka parce que le monde en a échappé pendant leur shift. C'est ça. Bar Rescue. Écœurant. Le gars, là, sérieux, là, c'est Gordon Ramsay, genre, mais c'est stéroïde. C'est genre, il y a. C'est Gordon Ramsay, ça a coke, que ça fait une semaine qu'il n'y en a pas trouvé. Il est en tabarnak, le gars, tout le temps. Je l'ai vu de maintenant, il y avait genre, justement, c'est le vrai exemple, il y avait des barmaids qu'ils prenaient des faisaient des drinks, puis ils calculaient mal leur once, puis tout ça. Puis là, il les ramasse tout à la fin de la soirée, il les met devant lui, puis là, il dit, OK, là, j'ai vu à soir là, que vous avez tout gaspillé des onces de vodka. Savez-vous, c'est quoi qui arrive quand vous faites des gaspillages de même? Puis là, il pogne une bouteille de vodka, il a smash en terre, puis il est comme, c'est ça qui arrive à chaque fois que vous faites ça. Puis il pogne une autre bouteille, il y a smash en tête que c'est ça qui arrive, tabarnak. Ça a aucun sens. C'est motivé des employés. Ça. Hey, c'est complètement. Le gars, c'est un enfoiré incroyable. Là, il a terrorisé des gens. Mais en plus, c'est que tu sais complètement qu'il en rajoute pour genre que ça fasse la bonne TV. Parce que il arrive là, il est fin. Il parle à la caméra, genre quand ça coupe et tout ça, il est bien normal, il est bien correct. Mais là, quand. They didn't quand leave me any choice. Il se met à péter sa coche après genre toutes les petites affaires qu'il a vues. Comme, hey, les serveurs, ils ont juste jamais été formés à bien mesurer l'once puis la mettre dans l'air. Ils ont juste appris à le faire à l'œil, esti. Ça coupe à plein de verres pétés. Il a raison, mais c'est comme. T'écoutes des vieilles épisodes, tu te rends compte que c'est ultra stagé, là, tu vois. Oui, genre, mettons, ils disent au début qu'il y a des caméras cachées, puis il y a clairement une caméra épaule, là, dans le bord. Oh, là, c'est tout la vision qui bouge. Il arrive après le shift, c'est comme, oh oui, il y avait des caméras cachées. T'es au courant. T'es juste un gros caméraman derrière une plante. Honnêtement, avec laquelle. Des coffres à outils. Il y a un coffre à outils sous l'épaule, puis il suit le gars principal. Ouais, mais c'est au goût, il y a des réparations. Des caméras 4K sur des rails, c'est ça qui passe dans le resto. Comme, oui, caméra cachée. C'est un plan séquence de toute la soirée. Puis tout le monde sait jamais. Chris, puis tout le monde savent très bien ne pas regarder la caméra dans l'objectif. Ouais, le monde la regarde tout le temps. Mais ouais. D'ailleurs, t'as-tu eu des cours de cuisine ou t'as appris, t'es autodidacte? Ben, cuisiner, j'ai appris dans les chaînes, un peu comme toi, en fond. Puis je me suis rendu compte que je voulais faire plus d'argent. Fait que je suis tombé en avant. Jusqu'à temps que je rencontre le gars qui me faisait des jambettes.
qui voulait pas monter serveur. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai bullshité mon expérience serveur à une place qu'il n'y avait aucune chance qu'il me retrace. Puis c'était ma coloc dans le temps qui était ma référence. Donc c'était déjà bien fait. Okay. Wow. Après ça, je suis retourné à cette place-là parce qu'il n'y avait plus le gars qui faisait des gens bêtes. C'était pas le violeur non plus, là, c'était un autre. Okay. c'était deux gars différents, ça. Le violeur Jean-Bette. Ouais, violeur Jean-Bette. Dans le même resto? Ouais, violeur Jean-Bette, c'était dans la même époque. Okay, c'était un même gars ou c'était deux gars? Deux gars. Ah, okay, assistant gérant. Ah, puis, wow. C'est complètement acceptable d'abord. Ben, il y a un ventriloque qui normal. Est psychopathe. Son adjoint fait des gens bêtes, tabarnak. Bon, il y allait c'est comment qu'il pensait. Il faisait bien ça. Non, je suis retourné à ce même resto-là, parce que c'était un steakhouse, puis c'était quand même. C'était une de mes. C'était dans le temps, les serveurs ne déclaraient pas leur pourboire, puis tout ça. Fait que à 19 ans, je faisais un salaire de 125 000 $ par année. Tabarnak! C'était un peu ridicule. Fait que moi, que ses parents n'ont pas payé université et compagnie, honnêtement, j'ai fait ça avec ça. Puis travailler. Genre trois soirs semaine, j'ai pu payer mon université de A à Z avec. À travailler à cette place-là. Tabarnak. Wow. 125 000 $ par année, t'es comme c'était dégueulasse, mon gars. Ben pour vrai, c'est un peu ça qui est le minding qui s'est envenu puis qui a fait que j'ai mis l'université de côté puis je me suis mis à mettre faire de l'argent pour vrai. C'est sûr, t'es comme Chris, tu vas étudier pendant 8 ans, tu vas faire 150 000 par année. C'est comme moi. Ben non, mais c'est que je regardais, tu sais, moi, je sais pas, les calculs, ça se fait, là. Puis genre, quand je comptais ça, puis j'étais comme Chris, t'es sérieux, puis j'aime ça en plus, tu sais. Ouais, c'est clair, c'est clair. C'est tout un métier quand même, mais c'est en quoi que tu voulais étudier ou à la base? J'étudie en administration, en fait. Il me manque genre deux cours pour finir mon bac. Là. Oui. C'était pour faire quoi du management d'entreprise, chose que je fais maintenant. Genre. Okay, quand j'étais arrivé pour trouver mon stage, dans le fond, chose qui était comme un peu, je trouvais, tu sais, qui fitait pas, c'était ça me prenait de l'expérience dans mon stage. Ouais. Mais tu sais, c'est parce que. Ça te prenait de l'expérience, a priori, avant de faire ton stage? Ouais, mais t'aurais probablement pu dire, genre, ouais, mais j'ai de l'expérience en genre gérage de resto. Ça servait à rien. Mais j'avais pas géré de resto avant. Je savais je savais comment ça marchait, mais personne m'avait laissé ma chance. Personne voulait me la laisser non plus. Fait que j'ai demandé, j'ai juste fait comme fuck that. Puis j'ai été faire l'expérience sur le terrain en espérant retourner. Puis finalement, je me suis juste rendu compte que j'aimais vraiment ça. Puis j'avais pas besoin de faire ces études-là pour arriver à mes fins. Pour continuer. Puis là, ben, c'est un peu mon petit parcours. Là. Mais là, c'est trop sérieux. Tout le monde qui ont vomi, C'est chier les culottes. C'est super intéressant. Il y avait une chatte à cage, quand même comique. Sérieux, comme une banquette en dessous des marches. Parce que, la même soirée que l'autre a crissé une volée. C'était pas longtemps. C'était dans le même genre. En plus, c'était dans le même mois, ça. Là, genre, c'était un mois enchanté. Novembre 2011, on va s'en rappeler en estime. Puis là, les filles, genre 18 ans, on vient juste d'avoir 18 ans, il y a 6 filles et un gars. T'sais, moi, je bois bien du café, puis je suis un peu alerte. Si j'ai bu mes 3 cafés, j'arrive à la table. Si je vois 6 jeunes, trop jeunes, avec un doux, j'arrive à la table, au lieu de les saluer, tout ça, j'arrive à la table, je dis « Big, faut que tu me donnes ton truc, parce que moi, je sais pas quel âge que t'as, mais clairement, j'ai jamais été capable d'amener 6 filles au resto. » Puis il était assez en pimp, là, tu sais. Commence de même, tu sais. Là, prends une commande, tout ça. Puis je sais pas si j'avais déjà mangé ça, les tacos wonton à la cage. Ça sonne micro-ondes dans tabarnak. C'est moi je me parle de ce mot-là, mais ça attire mon attention. Il voulait faire un petit peu importe la tendance de menu. Ah, cage au sport. Avec du ketchup, mon gars. Calice une soupe wonton dans un calice de pitoture. Ça fait un bol. Moi, je trouve ça à la fois. C'est quatre pita, mais genre pita ferme, tu sais. Puis le goût est fucking bon, mais ça se mange tellement mal, cette histoire-là, tu sais, parce que le pita, il te casse dessus, ça te chie ses mains. La jeune fille qui était la première, tu sais, elle avait commandé ça, puis tu sais, je la regarde, c'est à elle, je demande, puis c'était-tu à ton goût? Et elle me répond les mots suivants. Je vais me rappeler. Ah, écoute, c'était tellement bon, il m'en reste encore dans le fond de la gorge. Et moi, c'est sorti tout seul. J'ai répondu, ben en tout cas, ben content que tu te rendes des grosses affaires dans le fond de la gorge. Non! Mais là, elle avait comme, tu sais, elle avait 18 ans, ça marchait pas, c'était comme, tu sais, c'était wrong dans toutes les possibilités. L'affaire, c'est que mon boss est en arrière de moi. Ah, c'est il faisait sa tournée de salle à manger. C'est mon blog.
petite parenthèse, c'est un ami d'enfance à mon frère qu'on joue au hockey sur la rue dans le temps, tu sais, avant les cellulaires. Je le connais depuis que j'ai 7 ans. Puis, tu sais, c'était mon boss, mais tu sais, il me traitait plus tough que tout le monde. Puis tout ça. Puis, quand je me suis retourné, j'ai vu comme dans mon rétroviseur que Max Asti était là. Puis Max Asti, il me regarde avec une face de genre, que genre, tu sais, il me tient en haleine, tu sais, puis il regarde, puis. C'est la plus drôle de toutes les répliques que j'ai entendues de ma vie! C'est comme tes yeux qui deviennent tout fucking genre. Ah non, mais. Du coup, j'étais pas bien, là. Puis je me suis rendu compte que c'était wrong, là. Puis c'était à la table, oublie ça. La fille est venue rouge tomate. Puis toutes les autres ont fait oh shit! C'était bien reçu quand même. Non, ça a bien passé. Ça a bien passé. Ah oui, oui, ok. Bah, tant mieux. Ça a très mal passé. Le gars. Le gars, il a-tu fait genre damn right, baby? C'est ça, les filles. Get on board the whole train, baby. Whole train. Mais elle s'attendait pas à cette réplique là. C'est toute beauté. C'est génial. Mais c'est là que t'as payé tes skills. Là. Moi, je me rappelle quand j'ai fait un des chiffres que j'ai fait à Tabou que t'étais là. Puis c'était une fille, c'était sa fête, je pense, c'était dans vingtaine. Puis je pense qu'il y avait l'espèce de dessert. Puis t'es juste arrivé en arrière, puis tu veux lui faire le plus gros pénis que j'avais mangé comme dessert. Juste avec la crème fouettée partout. C'est comme la grosseur du blowjob que tu donnes, tu sais, en restauration. C'est toi qui décides un peu, tu sais. Tu peux le faire le 2 verres, le 3 verres, le 6 verres, tu sais. Puis là, on y avait donné genre un 2 verres parce que tu sais, elle avait 20 ans. Mais on y avait fait, là. Sérieux, le nervuré, là, genre, vient direct du Congo. Là, genre, oh, wow. Puis, boy. Importé de loin. Ah, c'était parfait. Ah, c'est le travail, ma fête, il m'avait payé ça. Il pense d'un air rêveur. C'était juste le parfait. C'est un pénis magique. Cette queue était aussi. Je sais pas pourquoi. La grande du par ouest ou genre vieux film en noir et blanc, on est act out dans le podcast. On aurait dit la muraille de Chine. J'ai pas vu en beaucoup bâton. De queues dans ma vie, mais cette queue, c'était la queue de ma vie. Pas rapport. Je sais pas si tu te rappelles, mais t'as vu une manière à ma fête. On écoutait l'UFC justement au Assassin's Creed Sport. J'ai dit, bon, mais payer un blowjob. J'ai tellement eu la cave parce que genre j'étais comme un peu nerveux, fait que j'ai comme à place de comme le liché, j'ai juste genre essayé de l'aspirer de même, puis en plein milieu j'ai gagué dessus parce que je l'aspirais. Oui, ça a constitué sa face. Il a choqué bien dur. Il en a craché à moitié à côté. Je sais pas pourquoi qu'il donne ça au gars, honnêtement. Moi je comprends pas ce phénomène-là non plus. Nous autres, on a genre mini crème brûlée ou blowjob, tu sais, qu'on va te donner à ta fête. Puis clairement, moi je demande pas à un gars qu'est-ce qu'il veut. Demander au serveur pour le blowjob. Des chums qui vont demander ça à leur ami, tu sais, je peux comprendre. Ça, c'est drôle. Ouais, ça c'est va. C'est exactement ça qu'on avait fait. On savait que c'était comme. Sinon, je donne pas l'option du choix. Puis à un moment donné, on est arrivé à une table de gars, puis que là, les gars, ils me disent un blowjob, tout ça, puis tu nous en apporteras tout un. Oh, wow. Fait que là, les gars, ils sont fouettés, dans le fond. Ben non, mais les gars, ils se sont filmés un après un à faire comme le blowjob. Mais tu sais, c'est parce que ce qui arrive, c'est que la crème fouettée, ça réchauffe à un moment donné. Ouais. Fait que là, c'était rendu des vieilles molles. Les autres, ils se sont fait un plaisir de lécher ça à tour de rôle. Puis tu sais, ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est qu'il y avait littéralement, genre, un beau groupe de 20 filles bachelorette, genre, qu'il y en avait rien qu'une qui se mariait, puis toutes les autres avaient faim. OK? Ils avaient faim. Puis les quatre gars, genre, tu sais, ils leur lançaient des calls, tout ça, mais les gars étaient focus, genre, sur leur fucking Instagram, genre. Puis là, oublie ça, là, ils ont brûlé leur bateau. Ils ont manqué leur chance en tabarnak. Les autres, ils voulaient les ramener, tu sais, les amener à leur futur bar, whatever, là, puis genre, fail total, là. Wow, attends, tu fais un pause, ça, je vais me maquiller. C'est genre, j'étais, mon Dieu. Ah, il y a une. Ah! Parlant de blowjob, il y a une. Parlant de blowjob, il y a. J'en viens de voir si j'entends. Parlant de blowjob. On va l'appeler. On l'entend juste dans le background. Une Ginette, là. Une Ginette, quatrième mariage. Classique. C'est sa belle-fille qu'elle sort, tu sais. Puis. Okay. avec ses trois amis de filles à elle. Fait que, tu sais, elle a comme 60, puis en tout cas 20 ans, les autres, tu sais. Puis là, on dit, elle amènera un blowjob à Ginette, tu sais. Je me rappelle pas si c'est vraiment son nom. Puis là, Ginette est comme habillée Ginette, comme si elle pesait 120 livres, là, à peu près. Là. Non, Ginette, elle était une belle femme, Ginette. Ah, okay, tu comprends quand tu es mariée comme quatre fois. Là. J'avais pas le bon stéréotype. Bonne valeur de revanche. Bon, ouais.
Bonne valeur de revente. On dirait que tu parles de Joe Sakic, calé. C'est de quoi tu parles? Bonne valeur d'échange. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Ginette, on y en fait un poli, tu sais, à Ginette, un bon petit verre, tu sais, correct, ben comme ça. Puis là, Ginette, elle reçoit ça, tu sais, puis là, les filles sont bien excitées, ils prennent des photos, tout ça. Moi, je l'ai filmé parce que je trouvais ça vraiment drôle. Okay. Puis là, elle a filmé, puis là, Ginette, elle fait qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Puis là, c'est ça qu'on s'est dit, mon Dieu, Seigneur, OK, tu t'envoies te marier, toi? Ben, dis, ben, c'est comme si c'était un blowjob, là, tu sais, c'est sans les mains. Hey, pauvre, là. Pauvre, là. Pauvre gars. Pauvre tous les gars. T'as jamais vu, je vais pas l'imiter parce que tout ça, mais mettons, là, ben vite dans les airs, là. Et le bout de la langue. Ça avait des efforts à se fermer les yeux, puis genre, elle le léchait en genre 8 fois. Elle savait plus ce qu'elle faisait. Ginette qui a essayé un blowjob. Un blowjob au resto. Ginette du blowjob. Elle a compris que le blowjob était pas ironique. Elle, c'était vraiment comme, alright, je vais licher les couilles fictives de ce verre-là. Ah ouais, man, il mange le cul, peut-être qu'elle le crossait par le bas. Elle crossait le verre, puis elle m'y met, puis elle mangeait le cul. Comment ça marche, tu sais? Tabarnak. Tabarnak. Elle faisait la face de dégoût, là. Ah, oh, c'est pas grave. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas ça. Ça sent marre, mais c'est pas grave. J'aime pas ça, toucher à ça. Mon nom qui vaut. Oh, wow. Elle est comme un fils d'enfance. Elle crie le nom d'une personne en particulier. C'est doux, pédophile des années 50. Mais moi, j'ai pas ça se faire manger le cul. C'est comme genre. Oh, tabarnak. C'est précis en tabarnak. Moi, j'avais un mon nom qui vaut. Oh, shit. Ouais, OK, ouais. T'es amené dans son chat. J'avais à dire. Fait que tu t'es laissé pousser une barbe parce que quand t'étais jeune, tu avais peur que ça reste. Si on va là, ça va. T'es cool, mon oncle. Ah, ok, ok. C'est bon. Mais je me suis laissé pousser une barbe parce que ça me rappelle son poil de testicule qui me revolait dans la face. Je l'ai dit, ça allait. Désolé. J'ai brisé votre podcast. Ah, oh, ouais, wow. Oui. Tu demandes à ta blonde de te donner des claques, puis là, tu dis non, pas sur les joues, sur le menton, s'il vous plaît. Qu'est-ce que t'as dit? J'écoutais pas. Tu demandes à ta blonde genre de te donner des claques, puis là, quand t'en donnes ses joues, tu dis non, sur le menton, s'il vous plaît. Ah, c'est charivon. Ah, le coquin. Sinon, c'est un milieu, je sais que c'est un milieu quand même super stressant. J'imagine que ça doit arriver que tu pognes des boss cinglés, genre. T'as-tu une anecdote, maintenant, quelqu'un qui a pété les plombs? Oh. Raconte le Spag Magic. Non. Le Spag Magic. Ouais, ok. On dirait une bande dessinée, ouais, ça. C'était quoi ça? Ah, ben Christophe, là, c'est ton histoire, là. Mais je sais. Avec la fille conne qui travaillait pas, ton boss, qui a la glorifiée qui s'est brûlée, genre au troisième ou au deuxième degré. T'étais dans tabarnak, t'as dit fuck you. Ben là, j'ai comme tout résumé les ouais, ben c'est ça. Tourne ça un autre. T'en mélanges deux, là, je pense. Ah, ça se peut que j'en mélange deux. Parce que. Attends. Le Spag Magic, c'est la sauce, hein? Il y avait la chatte de la conne qui faisait rien. Mais ouais. Des boss vraiment stupides, honnêtement, on l'a eu, là. C'est les gens bêtes, puis les tout ouais, ça. Il y a eu des saisies de salaire, puis des gens qui me font encore avoir, on te déclare moins, tout ça, puis ils veulent te pogner tout ton argent quand t'es serveur, tout ça. Mais sinon, mettons le leader, je peux t'en compter pour que ça soit drôle. Là, mettons, mais n'importe quoi. C'est pas obligé d'être drôle non plus. Non, même, ou même dans. Il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, c'est le positif, parce que j'ai entendu des histoires de type vraiment cool. Dans la restauration. Ça t'as-tu déjà arrivé? J'en ai plein, en fait. Des coups, il y en a. Je parle de quelqu'un qui te donne un type ridicule. Genre, j'ai déjà entendu des histoires comme ça. Je sais pas si ça t'est. Ben, moi, ça m'est pas arrivé à moi. Mais c'est surtout des filles que j'ai entendu. Ouais, je sais pas s'il y a une corrélation. Mettons, à moi, ça m'est déjà arrivé une fois. Mettons, c'était un peu ridicule, mais tu sais, c'était littéralement quatre mamans que c'est sérieux. Tu sais, je pense que il aurait payé cher. Là. Il était dedans. Là, il était dans Brazzers. Il voulait qu'on continue la soirée ensemble. Oui. Moi, tu cultives ça. Là, à un moment donné, après 32 ans, les filles sont pas mal moins gênées. Là. Puis genre, c'est plus allô, comment ça va? Non, c'est plus comme salut, ça va? Tu as envie de fourrer, genre. Ça perd pas de chemin, ça perd pas de temps. Ça n'a pas de gagner la porte. Non, mais c'est ça. Oui, toc, 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 toc. Réponds à maman. Je suis pas pleine, con, les soins. Tu sais, c'est déjà arrivé des situations de type ridicule. Puis je me suis déjà fait proposer des affaires. Ah oui. Ah, OK, ouais. OK, celle-là, attends. Celle-là en particulier. Écoute, un couple, tu sais, comme un banquet de six, mais que ça soit deux dedans, puis on les endure.
Même si on est dans le rush, puis un line-up à la porte. Ce genre-là, le gars tout le temps bien habillé, la femme, mon gars, elle a genre 20 ans de moins que lui. Moi, j'ai 19 ans. Je commence en restauration. La fille a 24. Est belle, esti, comme ça sortait d'un fucking catalogue avec le décolleté, que t'as mal au cou, là. Puis genre, elle a tout, là, tu sais. Ouais. Puis le monsieur, super cool, tu sais, puis paye la grosse bouteille de vin à 150$, tu sais, les entrées, repas. Il passe la soirée là, ça monte tout le temps à 400$, il me donne tout le temps comme 150 de type. Merci, bonsoir. Grosse table, tu sais. Puis là, c'est comme ça fait 4 semaines de suite, puis il me demande que je les sers, tout ça. Puis moi, je suis newbie, tu sais, le monde comprenait rien. C'est la meilleure table du restaurant, tu sais, ils comprennent rien, tout le monde est jaloux, on s'en calisse. Puis tu sais, là, le gars, à un moment donné, il s'en va aux toilettes, il s'en va fumer, ou peu importe. Puis je suis tout seul, tu sais, je m'en vais à la table, puis c'est elle qui est toute seule, tu sais. Puis là, elle dit, ah là, viens t'asseoir à côté de moi, tu sais. Tu sais, viens, tu sais, puis là, je suis mal à l'aise un peu, mais c'est genre, je peux comme en même temps, tu sais. Non, mais en même temps, what's up, tu sais. C'est de la merde en restauration, fuck you, le gros, t'as rien compris. Tu sais, moi, je m'assois à côté, puis tu sais, elle est belle, elle sent bon, elle est un peu chaud, tu sais, puis là, elle me dit, en tout cas, tu sais, si j'étais pas avec mon mari, là, tu sais, tu serais mon genre de gars, pas mal, nanana, tu sais, puis elle me cultive ça, tu sais. Puis là, tu sais, puis la main, ça à cuisse. Puis, tu sais, comme je suis un peu mal à l'aise, mais en même temps, tu sais, j'ai 19 ans. T'es bandé, t'es rentré dans la place. Tu sais, puis là, au même, tu sais, comme au moment où est-ce que je commence à croquer, mettons, tu sais, à devenir croquant, là, monsieur se pointe. Mais là, lui, ça va pas s'asseoir à côté d'elle, ça va s'asseoir à côté de moi. Ah, t'as pas là. Mais tu sais, mais viens me voir, mais là, moi, je sens, tu sais, comme. Tu commences à comprendre. Tu sais, je suis pas à bonne place. Tu sais, moi, dans ma tête, je suis comme, OK, il m'a cut. Il m'a tendu un piège. Oh, shit, okay, il sait comment caler. Tu sais, genre, moi, je me dis, ça y est, là, genre, tu sais, c'est mon meilleur client, il paye mon université, calé, tu sais, c'est. Marche pas, là. Ouais. Puis là, tu sais, il arrive, tu sais, il dit, continue de parler, tu sais. Puis là, moi, je suis comme. Tu sais, elle, tu sais, on va l'appeler Régis, parce que je me souviens pas de son nom. Tu sais, Régis, tu sais, parlait de ça à Michael, tu sais, puis, tu sais, il est le fun, hein. Elle dit, ouais, il est vraiment le fun. Tout ça, puis là, je commence à comprendre, tu sais, qu'est-ce qui est en train de se passer, là. Puis là, on se rappelle que géographiquement, je suis pogné entre les deux. Ouais. C'est une banquette, hein. Puis là, tu sais, là, elle a fini par s'en aller. Puis là, lui, tu sais, il me dit, « Tu serais-tu intéressé à fourrer ma blonde devant moi? » Ah, tabarnak. Puis tu sais, c'est pas de même qu'il a dit ça. C'est beaucoup plus de classe et c'était bien joué. Mais tu sais, c'était clairement ça le message. Ben, faire l'amour à la demoiselle pendant que je me croche le cœur. Moi, je suis derrière un croche la graine. Sur le coup, je savais pas quoi répondre. Parce que j'étais vraiment, tu sais, il était fucking nice, il était jamais irrespectueux. J'ai même pas vu ça, j'ai vu ça flatteur sur le coup. Mais même ça, c'est une petite conséquence d'accepter qu'il se crosse en regardant pendant que tu fous sa blonde. Mais c'est un peu dérangeant. C'est weird, mais je pense que je passerais au travers. Ta blonde est là-bas, toi, tu dirais à quelqu'un. Non, jamais je ferais ça. Écoute, c'est weird. Jamais je ferais ça. C'est dans le gars, genre 45 ans, il y en a vu d'autres, là. Ben, tu sais, puis clairement, il est à l'aise financièrement, puis il était prêt à sortir, peu importe le prix que j'allais y donner. Ah ouais. Tu sais, sa blonde, ça fait, tu sais, un. T'étais élu, là. C'était moi, ouais, Néo, là. Genre. C'est néo. Puis, tu sais, moi, sur le coup, j'ai pas été capable de répondre. Je savais pas quoi faire. Tu sais, comme, tu étais la moitié de mon revenu par semaine. J'ai pas envie de te chier ça dessus, mais en même temps, j'ai-tu vraiment envie de fourrer une. Fucking malaise. J'ai senti comme un employé de salvaille, genre, pendant. Le pire, sûrement un peu, genre. Ben oui, Chris. Mais tu sais, j'y ai repensé comme 1000 fois. Mais tu sais, après ça, j'ai pris, genre, oublie ça, il avait fini le fucking dessert. Je suis pas retourné à la table. J'étais mal. Si, j'en pensais rien qu'à ça. Je suis comme, vraiment, t'agis ça. Tu parles-tu à ton boss? Tu parles-tu à tes boss? Tu continues-tu les autres? Qu'est-ce que tu fais? Finalement, j'ai appelé ma mère. T'allais me fumer une cigarette en arrière, pis là, je disais, je file pas. Oui, il risquerait mon casque. Ça a été malade. C'est la deuxième fois que ça crie. Moi, je la fourrais dans le cul, ta maman. Tu sais, ma mère, comme une bonne maman, elle me dit, ben, fais ce que tu penses qui va être fait, mais tu sais, faut pas que tu le regrettes.
C'est ça qu'elle m'a dit. Elle a dit, si t'as à le faire. Tu l'as appelé, genre, dans ça, les employés. Genre? Non, je l'ai appelé dehors, en train de fumer ma cigarette. Ok, mais t'étais pas répondu encore à eux, non, mais j'étais même pas retourné à la table encore. C'est ça, il demande la permission à sa mère. Je vous excuse, moi, je suis un peu juste. Je savais pas à qui demander ça. Je savais pas à qui en parler, puis j'avais besoin d'en parler parce que c'était trop d'affaires en même temps. Oui, c'est clair. J'avais jamais fait ça non plus, whatever. Mais c'est clair que ta mère, c'est la meilleure personne. Parce que tu passes ton fil de contact de qui t'appelle quand t'as ce problème-là. Donc j'appelle un bro, il va dire « Ah, fourre-la, c'est bien, yo! » T'appelles ta blonde, comme t'es un trou de cul. t'appelles quelqu'un qui est pas trop proche, comme « Pourquoi moi? » Pourquoi t'appellerais ta blonde? Genre, ouais, il y a une autre femme qui fait que je la fourre. Mais pour un prix. Mettons que je fourre la madame puis le monsieur me regarde pour 10 000 $. Oh, ben, 10 000 piastres, ouais. Je pense pas qu'elle dirait oui. Pense pas 5 millions, c'est comme baisse. Non, mais 5 millions, c'est 4. Non, mais c'est 5 millions. 5 millions, je suce le gars, là. Pendant que je fonce sa blague, j'avoue. Chris, 5 suce millions. Suce le gars pendant que la fille me fourre avec un dildo. Ok, pour 5 millions. 5 millions, j'avoue. 10 000 pour un couple déviant, genre proche de la cinquantaine, c'est un peu énorme, là. C'est beaucoup, mais tu viens de me dire 5 millions. Ouais, non, mais je parlais si c'était célibataire. Là, je parle, mettons, genre, pour que ta blonde accepte, ça se peut qu'elle fasse genre 5 000 piastres. Je suis pas prêt à te pardonner tant que ça. Tu sais, 5 000 piastres, c'est de l'argent. Mais non, mais genre, tu te gâtes pendant 3 mois. C'est moi qui travaille. Je vais t'inviter quelque part qui vaut la peine, mais on fait pas moitié-moitié. Ben non, t'as l'air d'accord. C'est moi qui a pour la vieille sèche. T'as pas 50%. Parce qu'il faut qu'elle te pardonne de l'avoir trompé aussi. Ça vaut au moins la moitié. En même temps, pensez deux secondes. Tu fourres une fille qui a un chien. Il vous regarde fourrer puis t'es mal à l'aise. Mais je trouve que c'est son chum qui vous regarde puis qui se crosse. Pense-y. J'ai une idée plus claire, là. Mais je savais pas, là, sur le coup, là. Mais en même temps, de super cool, tu sais, je refais ça, je regarde ça beaucoup plus longtemps après, puis je suis comme Chris, j'aurais dû le faire, tu sais. Ça se passe vite, là, aussi, dans ta tête. Ouais, non, mais j'ai choqué. Le gars, il aurait été prêt, là. Genre, on parle de. Tu sais, il aurait sorti de cash, peu importe, je pense. Genre, il aurait sorti. Ouais, genre, lui, tu sais. Là, tu es flambé 600-700, un super resto, toutes les semaines, pendant un an. Ça l'a pas stressé. Oh, fait que Flaubé Dumais, c'est quelqu'un qui fourre sa blonde. Ah, lui, mais tu sais, lui, il voulait faire plaisir. C'est weird comme des viandes, ça se dit. Je comprends pas ça. Alex Jouve, ça y arrive souvent aussi en show. De demander à quelqu'un de fourrer sa blonde. Non, des fans qui vont le voir lui. Alex Roof, il se fait demander souvent, genre, ah, Chris, embrasse ma blonde. Ouais, veux-tu coucher avec ma blonde pendant que. C'est weird. Des fans, ils vont voir, ce serait un honneur que tu fourres ma blonde. Ça, c'est weird. Tu l'aimes beaucoup, ce gars-là. Tu le veux très, très drôle. Mais je comprends pas. C'est dans mon créneau d'humour. Il est tellement drôle. Je le paierais pour qu'il faut mal. Écoute, sérieux, Jimi Hendrix, s'il était vivant, dirait genre, je vais fourrer ta blonde, ça aurait beau être mon idole, j'y crisse une volée, comme jamais il a reçu une volée de sa calice de vie. Là. Je trouve n'importe quel objet contondant, puis je le tue. Là. OK? Puis je l'adore, Jimi Hendrix. Fait que genre, fuck, genre, comment tu peux. Honnêtement, là, même je comprends ce gars-là, s'il faut ta blonde, Jimi Hendrix va venir à. Peu importe qui, là. Fuck, Jimi Hendrix. Peu importe qui, là. ça pourrait être n'importe qui. Ça pourrait être Barack Obama. Ça pourrait être n'importe. Je m'en calisse. Je te tue, mon tabarnak. Je pogne un couteau. C'est sûr. C'est ça, parce que c'est pas blonde. Du coup, j'ai pas vu ça comme manquer une opportunité ou whatever. Honnêtement, je l'ai vécu, puis j'ai fait comme, OK, genre, j'ai vécu ça. Ça m'a fait réaliser à quel point il y a des divergences de mode de pensée gens. Pis ça m'a fait réaliser parce que oui, tu le vois dans un film ou whatever. Pis là, je te le compte, tu l'as pas vécu, mais genre, tu sais que c'est pas si loin que toi. Ça m'a fait réaliser genre que c'est possible pour vrai. Là. Moi, dans ma tête, ça n'existait pas. J'étais pas.
j'étais vulnérable là, à ça. Ouais, là, comme ouais, t'es-tu sérieux que tu m'arrives une situation de même? Là, tu m'as mis tout croche. J'ai un malaise aux 5 ans. Là, comme là, je l'ai eu. Ouais. C'est, ouais. En même temps, ça élargit ta zone de confort à chaque fois. Ben, ouais, c'est ça. Après ça, comme l'autre, il arrive. Hey, tu as envie de fourrer elle pis sa dent. Là, tu te sens bien de dire. T'sais, by the way, j'ai choqué vraiment dans le temps. Quelque chose de. Fait que c'est vraiment mieux. Il y a un couple échangé ce qui m'a squeezé entre une banquette. C'est beau. Non, tu sais. En plus, tu as vraiment délimité ton espace. Mais je pense que c'était planifié. Il savait ce qu'il faisait. C'était ce soir-là qu'il faisait. Ce gars, il a autant d'argent. Quelque part, il comprend comment fonctionne la psychologie humaine. C'est comme le Iron Man de la déviance. L'argent et la psychologie humaine, ça l'a rien à voir. Non, mais j'imagine le gars doit être vraiment intelligent quand même s'il a fait autant d'argent. Mais en tout cas, en même temps, j'avoue que c'est cave puis je suis d'accord avec toi. Non, mais il avait préparé son affaire. La première fois que je l'avais servi, elle était toute seule puis lui, il était pas là. Puis je me dis, c'est une date, la fille, fuck, shit, wow, tu sais. Puis on parle un peu, parce que whatever, j'ai une grand gueule. Puis là, lui, il se pointe. Puis je me rends compte, Chris, il a de la classe, il est fucking nice. Puis je suis là, OK, c'est sa fille, c'est sa cousine, peu importe. Finalement, je le vois sur Frenchie, je suis comme, bon, sugar daddy, mais c'est pas grave, tu sais, il est fucking cool, il est fucking cool. Il me demande, il me type à côté, il consomme, ils sont sympathiques, c'est comme... Tout va bien. Là. Ouais. Moi, je t'en donne quand tu m'en donnes demain. Puis la semaine d'avant, il m'avait demandé, il dit, mettons, là, comme bien straight, là, bien neutre, là, ma blonde, là, sur 10, tu lui donnes quoi? C'est une question de piège, c'est encore calice. Je sais pas quoi te répondre. Je peux pas répondre à ça. C'est un manque de respect si je te réponds. Il dit, non, il te garde. Laisse faire là, le manque de respect. Là, il dit, tu lui donnerais combien? Je dis, même si elle est LED, mettons elle est LED, tu fais quoi, toi? Mettons elle est LED. Représente la moitié de tes revenus par semaine. Oh, ouais. C'est quoi? Réponds quoi? Mais lui, il veut que tu sois. Un 8 semble. Mais c'est pas selon entre eux, pareil. Mais chaude, là. T'sais... Parce que 8, ça veut dire. Attends, mais chaude ou dégueulasse? Pas, mais ouais, jolie. Mettons, elle est dégueu. Genre. Mais c'est dégueulasse. C'est dégueu, ouais. Tu donnes un 8? Tu lui dis que la chaudonne. 8, c'est parfait. C'est 2. Mais pour toi, je pense que. 6.5. 6, tu l'insultes. Tu sais, moi, j'ai dit 9. T'as dit 9? J'ai dit 9. Puis en vrai, c'était quoi? Oh, c'était facile, un 25. J'aurais mis un 4. Oh non, non, hey. J'aurais mis un je mange sa marde. C'est ça que j'aurais mis, OK? J'affour après un asti de workout là, de CrossFit. Ouais, non, c'est genre, attends. Le truc. J'affour après un workout de CrossFit. Je pense que. Le cas 108. Il n'y a rien de cool là-dedans. C'est justement dégueulasse. J'y mange le cul après deux heures de. C'est une phrase de même, là, je pense que la meilleure que j'ai jamais genre, entendu slash lu, c'est je vais me traîner les gosses à travers un kilomètre de vide cassé juste pour l'entendre péter dans un walkie-talkie. C'est bon, ça va être ça le titre de mon premier One Man Show. Oh, tabarnak, man. C'est hard. 20 mots. C'est une phrase au complet. Ta mémorise, mais tout. Non, mais c'est hard. Mais moi, j'aime les longues phrases. Ouais, ou gags qui sont comme ça. C'est un classique. C'est chaud, ça serait malade. Utilisez-la. Ça serait malade. Répandez la bonne nouvelle. Calice. Ah, une couille à la fin. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Tu vois, c'est une couille pour aller l'autre pour le retour. C'est vraiment un bon nom. C'est peut-être la phrase que t'aurais dû y sortir en fait. Oh, ouais, gars, j'aurais mis mes couilles dans la vitre pour qu'elle pète dans un verre d'eau puis que je le boive. Ouais, ça. Genre. Après ça, il y avait de la peine là, quand ils ont comme compris puis sont plus jamais revenus. Oui, mais c'est vrai parce que. Je leur ai brisé le cœur. Non, mais après ça, il me serrait la main. Il dit pour vrai. Je suis vraiment désolé de t'avoir rendu mal à l'aise, tout ça. C'était vraiment pas ça le but. Il s'est excusé ultra legit, genre. Tout ça. Petit, la fille, elle m'a regardé. Elle a dit j'étais sûrement pas assez belle pour toi, mais genre, mon Dieu, c'est bien. Exactement. Je savais pas quoi dire. Elle a dit tu viens dans tes peines. Parce que, non, je veux dire, je te. Tu donnes deux becs, tu dis je vais tellement me crosser. Mais finalement, t'es juste perdu comme client. Ils sont jamais revenus après. 20 ans plus tard, c'est comme j'imagine juste avec ton casque 3D, genre, ton casque. Ton truc de vie, tu oh, Chris, il y a un gars qui me regarde en arrière. Oh, tabarnak, je vais imaginer que c'est. Oh, on s'en fout. À cause de des situations comme ça que Mario Pelcha a écrit. Et si tu pleures dans la.
Je fais en référence à ça. Si je me rappelle, ma mère qui m'a dit clairement, genre, ah, tu sais, by the way, tu sais, regrette-le pas, genre, mais tu sais, aujourd'hui, là. J'imagine tellement le toit bandé plus tard dans la soirée qui pisse sur tes principes. Oh, oh man. Genre, ok, j'aurais d'autres. J'ai bu beaucoup d'alcool ce soir, là. Ah, oh, ouais, c'est ça. Ce soir même, ouais. C'est quoi que je te sers un triple whisky? T'es sûr? Ferme ta crisse de gueule, puis ferme-moi du whisky. Mon boss, en plus, il fait comme Chris, pourquoi qu'ils reviennent plus, eux autres? Puis là, j'y ai finalement compté ça. C'est pas le gars de Jean-Bette, pas le gars de. Non, c'était un autre, là. Puis tout ça, puis il fait comme tabarnak, t'es tombé cave, esti, genre. Non seulement t'as manqué comme plein d'argent, mais genre tout le temps, t'es au resto, puis en plus de ça, c'est le trip de ta vie, t'es un esti imbécile. Mais en même temps, j'avoue, quand ça arrive, veux pas, t'es comme fucking mal. À 19, je savais pas quoi faire. Je savais pas quoi penser. À 19, tu m'aurais mis dans le même dilemme, puis j'aurais pas fait différent. Mais même aujourd'hui, c'est sûr que j'aurais dit non. T'es pas, genre, si ça arrivait toutes les semaines, après 5 fois, mettons, tu vas t'habituer. Mais genre, ça arrive pas dans ta vie. Après la 10e fois, genre, comment t'as trouvé ta blonde? Bah, moi, j'affoure comme. Ben, honnêtement, là, tu sais quoi, après ça, tu vas me demander combien sur 10, là, quand on va skipper ça tout de suite, là, by the way. C'est 20 000, puis c'est 10. 20 000, peux-tu l'enculer? C'est 20 000, puis c'est 10 sur 10. 10 sur 10. Dans 5 minutes, j'ai aucun eye contact. Toi et tout, tu n'as pas d'eye contact. Toi, tu commences à se faire. Il y a son parchemin. Son parchemin de trucs, genre, qu'il a besoin, genre. Oh, wow! Je t'ai fait un forfait à 10 000, non, 5 000. Ouais. Quand j'ai fini de fourrer, je veux mon Sunny Delight à côté du lit. Ouais, c'est ça. Pas le style volutouille. Ah, mais ça va être avec le dentier dedans. Mmh. Oh! Ouais, c'est un concert. Ça va quand même, ça va quand même. Ouh! Non, c'était de l'estime. Veux fourrer son verre d'eau. C'est juste un pattern. Non, mais j'ai. J'ai apprécié l'effort. Pourquoi c'était. Oh, wow! Je sais pas quoi rajouter. Je veux qu'ils se sentent bien, mais en même temps, je me sens. Ah, oh, ouais, non, c'est ça. Ok, on va finir là-dessus. ouais, on peut. Ben, c'est très, très bonne anecdote. J'en avais une autre, mais l'autre, t'étais pas funny. Une anecdote, as-tu une anecdote pour topper ça, là, non, pas une anecdote, mais j'ai une question, mais... Sinon, ouais, on va finir là-dessus, mettons, là. Je sais qu'il y a, mettons, il y a quand même un... pas un tabou, genre, il y a quand même des rumeurs sur ce milieu, il y a du monde qui consomme tabou ça, cuisine job, réputation. Oh, shit. Excellente question. Consomme, on parle de... N'importe quoi. Tout. Mettons cocaïne. Mettons, moi, en tant que gestionnaire, si tu veux, puis tu sais, moi, dans ma personne, honnêtement, tu sais, tout le monde l'a dit en public, on s'en calisse, mais tu sais, moi, je suis pas... Je suis tellement réactif aux stimulants, je bois un café, et si t'as l'impression que j'ai bu 18, peu importe, là. Tu sais, je peux pas... J'ai essayé... Pour vrai, c'est vraiment pas fait pour moi, là. Ok, j'ai jamais essayé, déjà. Ça fait quoi? Mais même quand t'es en cuisine. Ouais, mais peu importe. Dans tout, ben moi, j'ai fait ça plus jeune, tu sais, j'étais avec des jeunes. Mais non, en cuisine, je parle pas de poudre ou de whatever. Ben, je sais que t'es pas un doute de même. Ça arrivait, en cuisine, moi, je trouve le monde qui fume du pot, qui travaille en cuisine, souvent, ils font tout le temps de la meilleure bouffe. Hein. Ben, selon le resto, là, on s'entend. Ben, mais tu sais, mettons, nous autres, honnêtement, c'est tellement. Je l'ai fait plein de restos, puis ça fait longtemps que je fais ça, fait que je peux te répondre objectivement aussi. Mais tu sais, à mon resto, nous autres, c'est assez. Ben, à mon resto. Au resto que je travaille. Mais à tabou, c'est impossible de fumer dans la cuisine. Ça va trop vite, là. Ça se passe pas. T'sais, si t'as le temps de passer, si t'as le temps de prendre le temps pour aller fumer ta cigarette, faut que tu reviennes vite parce que tu sais, ça arrête pas. Genre, t'sais, un resto qui marche comme ça. T'sais, tu peux pas arriver à sa peau, t'as pas le temps là, d'aller te faire ta traque pour te remettre dedans. 20 minutes, genre. T'as aucune chance. Surtout avec le cœur qui pompe vite de même, ça, genre, ça dure un certain temps. On avait un à un moment donné, t'sais, puis lui, clairement, t'sais, c'était écrit dans le ciel. Là, t'sais, à un moment donné, t'sais, littéralement, le fucking cliché, là, genre, il y en avait sur la laine. C'est pas regardé dans le miroir. C'est pas rentable de travailler sa coke. Chris, il me semble que c'est un principe de base. Il me semble que tu fais de la coke quand t'as deux affaires checkées. Tu respires pas trop fort avec toi. Pour que le monde s'en rende compte, puis tu t'essuies pour en avoir connu, ça marche en tabarnak dans un fast-food. Oui, mais. Mais une place pour t'avouer, pour avoir connu la cuisine, tu peux pas être affecté. Il faut que ton cerveau soit non, là. Oui, parce que les assiettes sont. Sont quand même complexes, puis il faut que tu sois efficace parce que le resto, son resto roule en esti. Mettons une chaîne, mettons, comme Pacini, ou que tout est déjà. Portionné, puis cette affaire-là, t'es encore là. Ça, c'est comme une usine. Ouais, exact. Plus comme, genre, toute la production, tout, shop, tu fais juste genre, ton pain à sauce, tu l'assiettes, tu passes ça. Puis ta louche est mesurée, fait que genre, tu mets une louche, t'en mets pas 12, puis tout est fait comme ça. Puis encore là, dans ce milieu-là de cuisine que j'ai travaillé, puis peut-être, c'est un stéréotype qui est réel, j'en suis conscient, mais personnellement, 19 ans d'expérience, j'ai jamais vu
comme j'ai comme trois cas là. Okay. Mais tu sais, il y a des histoires de monde qui déboulent des marches, des histoires de monde qui vomissent à terre, des histoires de monde qui crient, du monde qui s'en vont sans payer. Ça, je peux t'en compter comme quarantaine, choses qui sont considérées comme rares. Sont pires. Vraiment. Ouais. Ouais. Mais tu sais, des situations de consommation où on en a vu. Mettons, on reste où, nous autres, pour vrai, le chef. S'il y a bien quelqu'un que tu veux pas chercher le fuck dans la vie, c'est le chef. Là. Puis en plus, on parlait de d'arts martiaux tantôt. En plus, il y a genre deux ceintures noires dans... Comme, il manipule le couteau. J'aurais fait du kung fu. Ben, tu sais, il est capable de te parler en coupant des oignons sans te regarder. Puis, tu sais, le couteau, il fait un flip avant, genre. Puis, Ouais, c'est un gars-là. Il fait du flair. Oui, genre. Il fait un flip en coupant des oignons. Parce que quand il repère. En fait, j'ai demandé en plus. Genre, quand il perd sa poigne, il reprend, genre. Ouais, c'est ça. Puis, en même temps, il veut faire peur aux gens qui l'ont. Un peu. Puis, fait que, il fait-tu des moves de comme je vais te slicer la gorge? Non, il te lance, mais à côté de toi. Oh shit! Un mini couteau qui sert à rien d'autre. Juste à lancer. Côté consommation, c'est sûr que la consommation d'alcool, nous autres, mettons, on endure. Si mettons, le client te paye des shots, paye un verre ou des choses comme ça, tu peux l'avoir. Ben, c'est parce que nous, c'est ça, j'en veux pas. J'imagine, en tout cas, pour avoir déjà travaillé en cuisine ou pis tout, genre, tu sais, même si le monde boit pas sa job, il y a quand même beaucoup de bons buveurs parce que c'est un milieu qui est fuck. Stressant. Ouais. Fait que Chris, il y a pas personne qui aime boire qui va faire comme Chris, le gars te paye un shot, non, prends-le pas. Ben, tu sais, mettons, il y a des établissements qui vont établir dans la politique du restaurant, comme quoi, que c'est interdit. Je travaille dans plein de restos comme ça, puis c'est correct aussi. Mais tu sais, nous autres, on endure, puis tu sais, jusqu'à un certain jugement, tu sais, souvent, j'ai pas besoin d'intervenir pour dire, by the way, t'es rendu trop chaud, tu sais. Arrête de boire. C'est bien rare, c'est la personne qui va me dire, là, elle dit, là, je commence à être, tu sais, je suis plus dedans, là, tu sais. Regarde, si la prochaine fois qu'il me paye des shots, invente-moi une raison, sinon fais-moi un shot d'eau ou peu importe. C'est dans le service, j'imagine. En cuisine, mettons, après un méga rush, qu'il ne se passe plus rien, on va offrir une bière aux boys. Sacrant. Là, il fait tellement chaud, t'as pas le goût de prendre un shot pendant que tu travailles. T'es fucking genre, t'es fucking sur le gun, mais si t'es déshydraté. Surtout en cuisine, c'est raide. Mais non, c'est de la limonade. Le gars, il a pas envie de sécher à l'alcool. Non, c'est ça. Il a envie d'avoir une bonne limonade avec de l'eau dedans, genre, qui est rafraîchissante. Exact. Tu sais, limite, t'appelles rush, si genre une bonne bière, c'est comme, ok, c'est cool, ça fait descendre le stress. Effectivement, c'est très, très bon. Après, c'est une petite bière. C'est la consommation de... Je te dirais, mettons, une grosse consommation de cigarettes. Ça, de loin, genre le milieu le plus... Mais ça va avec le stress aussi, j'imagine. Ben, c'est le seul moyen de prendre des pauses aussi. C'est comme accepter en cuisine. Puis ça, je me rappelle que ça faisait chier beaucoup de non-fumeurs parce que j'étais comme... Il faut que j'aille prendre ma pause cigarette puis tout ça. Puis c'était pas genre une excuse nécessairement, mais ça fait 2 heures je travaille, j'ai pas fumé. Le break vient de finir. Dérange-tu, je prends. Puis c'est comme si tu devais un handicapé. Je m'en vais pas jaser dehors. Je m'en vais pas niaiser. Je m'en vais pomper ma clope là, le plus rapidement possible puis revenir, mais j'ai besoin d'avoir ma clope. Mais c'est clair que ça donne un break aussi en même temps, là, nécessairement. Ça donne un bébé break. Moi, mettons, quand je vais fumer des tops, je prends mes. Je fais des affaires que je peux faire sur mon sel, genre prendre des rendez-vous, parler au fournisseur de whatever quoi. Je prends pas vraiment de pause. Je m'en vais juste faire les affaires que je ferais dans le bureau avec une cigarette. Pause officielle. Je viens de me rendre compte que, genre, tu sais, je me disais, c'est quand j'ai commencé à faire des arts martiaux, peut-être de connaître un peu plus, que j'ai besoin de mon cardio, j'ai commencé à dropper la cigarette, mais je viens de me réaliser, c'est exactement le moment que j'ai lâché la restauration. Je fume un demi-paquet par jour, puis à cette heure, je fume genre un paquet et demi par semaine. Genre, je fume quasiment pas pendant la semaine, puis je pensais que c'était les arts martiaux, mais je viens de réaliser qu'en même temps, c'est exactement le moment que j'ai lâché la restauration. Non, mais c'est totalement. Moi, j'ai recommencé, j'avais arrêté de fumer quand j'avais arrêté de travailler en restauration. Puis genre, à retravailler, je m'achetais... On avait un dépanneur à côté, Sénécal, Denis, qui nous vendait nos cigarettes en bas de 14 ans. Denis, c'était le gars le plus nice, puis il vendait des cigarettes à l'unité, à un prix vraiment legit en plus. Puis si j'avais commencé à fumer là, puis je me rendais à job, je marchais à l'ODEP, pognais, achetais une cigarette pour mon break. Arrivé à... Tu sais, je la plaçais... Ça, là, je mange, je vais aller prendre ma pause, mais tu sais, je fumais plus. Une cigarette. Après ça, je n'achetais deux. Ouais. Après ça, ben là, c'est comme, tu sais, puis juste ça revenu, tu sais. Ouais, exact. Mais tout le monde me dit, ben, t'es dans le même, ça recommence. Mais oui. c'est clairement. Fait que, tu sais, Mais c'est ça, consommateur de cigarettes, là. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. Mais côté alcool, ça arrive, tu sais, c'est bien rare. Mettons, j'ai travaillé dans un bar de quartier, là. Bar de pauvre. Bar, ouais.
clairement, comment c'était ça? Genre un arrêt au puits pour les coquets du quartier qui font juste comme ouais, je vais te commander une bière, ils boivent pas puis ils crissent leur gueule. C'est un star bar qui peut quand même vraiment être cool si t'habites pas loin puis tu sors avec du monde parce que c'est le genre de place que t'arrives là avec une clique puis c'est rendu chez vous. Mais j'aime ce genre de bar-là. J'adore ce genre de bar-là. Quand tu rentres là puis il y a trois personnes tout seules assises au bar. Mais ce monde-là tout seul dans leur solitude, ils finissent par se connaître. Ça finit par être ensemble, en effet. Ouais. Ouais. Mais ils sont mais c'est un peu moins triste quand tu le fais avec des jeunes. Exact. T'es moins triste quand t'es moins seul, tu sais. Ouais. Ça... Sauf que quand tu rentres, t'es juge. Ben, tu sais, ces chiffres-là, en plus, tu sais, mettons, moi, je commençais au resto, puis je finissais le soir-là. Puis, tu sais, je finissais à 4 h du matin, puis, tu sais, c'est comme l'inventaire à quatre pattes contre les astis de bière, puis tout ça, tu sais. Ouais. Le premier temps, au début, genre, je me suis écrit, je travaille dans un bar. Fait que, genre, fuck off, tu sais. Fait que là, oublie ça, là, tu me payes un shot, go, genre, peu importe, mamie, papy, le new guy, tout le monde me paye des shots, est-ce que, ah, man, tu sais, je suis capable d'en prendre, whatever. Hey, après ça, à quatre pattes, est-ce que t'es en train de compter fucking bouteille, là, ouh! Hey, là, j'avais pas envie de les voir, est-ce que j'avais pas envie, tu sais, j'étais comme des calisseuses. Ah non, j'étais chaud raide, tu sais, je me suis une shot trop chaud, après ça, je me suis dit, ok, plus d'alcool, j'aurai pas de jus de la fin, tu sais. Puis là, hey, oublie ça, là, je trouvais tout le monde fatiguant, j'ai trouvé tout calme. Tu fais la scale. Puis tu sais, quand je suis un peu chaud, c'est comme, je vais te prendre deux martinis, tout ça. Là, je le vois juste comme. Puis là, je me suis rendu compte que je pouvais pas ne pas boire non plus. Fait juste que je garde un rythme correct. Genre. Tu raides le genre vraiment. C'est vrai que quand je suis à jeun, je suis. Personnellement, en tout cas, ça doit être le cas pour bien des gens, là, mais quand t'es à jeun dans un party ou whatever, puis qu'il y a plein de gens sous, là, tu te rends compte. On dirait que tu te rends compte de la misère humaine. Cette personne-là souffre beaucoup. Chris est saoul en tabarnak. Tu te rends compte que, genre, boire de l'alcool de même puis se torcher, c'est vraiment, genre, rentrer du poison. Ouais. Genre dans ton corps au litre à la fois. Ouais, c'est juste comme, je peux-tu mourir, mais pas vraiment. Peux-tu oublier que j'existe, mais... Je veux un suicide pas douloureux. C'est ça que je veux. Ça m'est arrivé une couple de fois dans ma vie d'arrêter de boire pendant un mois ou deux, mais genre pas tant que ça. Puis toutes les fois, on dirait j'oublie. Puis là, maintenant, je suis là, puis genre, je regarde juste quelqu'un qui était là, je fais, OK, c'est ça que j'avais l'air. On dirait je me rends pas compte. Le monde, c'est exactement le sou. Puis le monde qui sont à jeun, qui est rideux, puis la personne qui est sûre qui s'en rend pas compte. Puis je suis comme, est-ce que le monde rit de moi quand je suis sous? Tout le temps. Ben oui. Mais tu sais, de le travailler dans un contexte un peu de pauvreté sans être ça, mais c'était ça un peu, tu sais, ça m'a fait réaliser un peu comment que l'humain est en détresse d'une certaine façon. Parce qu'il y avait le gars, mettons, que lui, à premier du mois, là, il se torchait. Puis après ça, tu sais, il revenait puis il nous quittait des trucs, tu sais. Je vois ça comme, sincèrement, je faisais des jokes, là, mais genre dans certains cas bien précis, là, je parle des gens vraiment là, qui ont des problèmes chroniques de boisson ou quoi que ce soit, je le vois quasiment comme un suicide, mais lent et sans douleur, genre. On dirait que c'est vraiment genre c'est un niveau d'autodestruction. Je me sens visé. D'autodestruction. mais je juge personne là. Je juge absolument. Non, je me sentais pas jugé. Je juge absolument personne. C'est l'intervention de GF. Mais... C'est moi qui te fais. Amène-moi une autre bière. Mais ça a l'air de ça. Ça a l'air d'un espèce de suicide lent qui est pas trop assumé en même temps. Genre, puis ça me revient en tête quand je vois des gens qui sont sous-morts, mais pas party, là, genre, sont tout seuls à la machine. Puis ils boivent, genre, en perdent la tête. Là. À chaque fois, c'est cette pensée-là qui me vient en tête. Non, mais c'est mais si tu te saoules avec des amis, par exemple, là, tu fais pas pitié. Oui. Là, c'est social. C'est exact. C'est ça. Mais encore là, c'est comme dans... C'est pas mal. Mais comme je dis, je juge personne. Dans la job de service, genre, qui d'identifier les différents types. Moi, c'est comme ça que, dans le fond, j'adapte mon service, identifier comme les rôles à combler. T'sais, j'ai lu un... Je vais la faire longue, là, mais vous allez comprendre ce que je m'en vais. Oui. Genre, j'avais lu une étude qui m'a littéralement marqué ma vie. JF, la connaît par cœur, parce que j'ai dû en parler à peu près 200 fois. Ah oui, OK. C'est une étude pour comprendre les comportements sociaux au sein d'une équipe, d'une famille ou de peu importe. Okay. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris 6 rats, ils ont mis ça dans un labo, que le labo était décrit comme suit. Plateau de l'eau, plateau de la bouffe. OK. Puis les 6 rats, dans le fond, ils ont pris 6 fois 6 rats. Pour regarder comment ça se passait. Fait que dans le premier groupe, comment ça se passait, c'est qu'il y avait un rat roi, on va y revenir, deux rats ouvriers. Les rats ouvriers partaient ensemble, traversaient l'eau, prenaient la bouffe, retraversaient l'eau, donnaient au rat roi et mangeaient les restes. Okay. Deux rats indépendants, un qui se traversait,
puis il prenait la bouffe, l'autre il traversait après, il se croisait dans le milieu, prenait la bouffe, grognait au roi pour pas donner leur bouffe, puis après ça il mangeait ce qu'il y avait, et le roi victime, que lui ne traversait même pas l'eau, mangeait des restes de tout le monde. Okay. Oh, ils ont répété l'expérience avec les six fois, puis les mêmes rôles sociaux, c'est-à-dire un maître, deux indépendants, deux ouvriers, puis un victime, c'est symbolisé. Après ça, pour compliquer le shit, ils ont décidé de prendre les six rois puis les mettre ensemble. Ouais. Oh, okay. Oh wow! Okay, puis okay, okay, là, qu'est-ce que vous pensez qui s'est passé? L'École nationale de l'humour. Le fait, c'est que c'est exactement ça. Ouais. Ça a l'air stupide, mais c'est ça. Toutes les kings de secondaire mélangés ensemble. Tu sais, puis malheureusement, c'est la même affaire qui s'est passée. C'est le même scénario. Okay. Genre un roi, deux ouvriers, deux... c'est la même chose. Puis avec les victimes, c'est la même affaire. Les ouvriers, c'est la même chose. Donc, dans le fond, c'est que t'as un rôle à combler au sein d'un groupe. Puis j'en reste à trouver, toi, non merci. J'en reste à trouver, toi, où est-ce que tu te situes là-dedans, tu sais. Tu sais, après ça, quand tu regardes avec la clientèle, que tu regardes avec le bar ou la place, ton équipe de travail, tu vas tout le temps avoir, mettons, moi, en resto, c'est tout le temps pareil. Il y a tout le temps quelqu'un qui se dit qu'il est mieux pour d'autres choses, puis qu'il va faire d'autres choses, puis qu'il est écœuré d'être là, puis blablabla. Bla, bla. Ouais. Tout le temps, celui qui travaille trop fort, qui est trop là, puis qui veut trop donner l'exemple, puis qui est trop non pertinent. Tout le temps la personne qui mange rien de son resto parce qu'elle soit végé, soit whatever, qui amène des petits crises de plats puis tout ça. Tout le temps l'autre qui saute sur toutes les calices de nouveau parce qu'elle a envie ou qui a envie de fourrer tout ce qui bouge. Il y a comme des rôles sociaux. Mais il doit y avoir un rat qui n'existe pas. Exact. Mais il doit y avoir un rat qui n'existe pas dans l'exemple du rat, mais qui peut exister dans l'exemple humain, c'est-à-dire le rat qui est conscient que sa place. Non, mais ce rat-là, il existe genre, puis il entraîne les tortues dans les Mais ce qui est intéressant, c'est la réaction, parce que l'humain est capable de se rendre compte de sa place au sein d'un groupe. Ouais. C'est de voir la réaction à ça, à cette nouvelle perspective-là de « moi, c'est comme ça que je fonctionne », puis ça crée d'autres, peut-être d'autres classes de « rats », entre guillemets. Plus que tu élargis ton groupe, mettons, plus que les rôles vont se ressembler. T'sais, au sein d'une famille aussi, tu as tout le temps comme un bouffon, tu as tout le temps un que... tout le temps trop chaud en fin de soirée, plus que ta famille est grosse, tu sais. Mm-hmm. Puis, tu sais, dans ce que si je me suis dit. J'en ai deux, puis je me suis reconnu dans les deux. C'est moi. Ça arrive, c'est moi. Tu vas arriver dans un nouveau groupe d'amis, whatever, puis tu vas faire comme Chris, ce gars-là, je l'aime pas, genre, puis je comprends pas pourquoi. Genre, ça me semble, lui, esti, je sais pas pourquoi il cherche le fuck avec moi, genre, je sais pas, tu t'agresses, je sais pas, je te sens pas. Puis, tu sais, souvent, c'est parce que cette personne-là va avoir pris le rôle que toi, tu prends normalement. Ok, j'avais jamais vu comme ça. C'est pour ça, c'est intéressant. C'est pas juste genre les rôles de mâle alpha, c'est pas juste les clashs de deux mâles alpha. Des fois, ça va être la clash des deux granos. C'est intéressant. Un clash de deux granos, un clash de deux bouffons. Les filles, ce qu'ils disent souvent, c'est qu'il peut pas avoir deux blondes platines dans la place. Je trouve ça drôle, cette expression-là. C'est vrai. Parce que Puis dans le fond, c'est qu'il peut pas avoir. Il peut en avoir deux, mais il faut qu'ils acceptent qu'ils ont le même rôle. Il faut que la gang soit assez grosse, genre. Ouais. Exactement. Tu peux pas avoir un trio avec deux blondes platines. Là, genre. C'est ça, ça marche pas. Quelqu'un qui fait trop penser à toi, faut que je vais écrire de quoi là-dessus. Ben, mais mettons, toi, t'es habitué d'être le gars fucking drôle tout le temps, puis que genre, tu sais, que les filles te voient comme un ami, mettons. Genre, moi, ça a été ça longtemps. Ouais, je comprends. Finalement, j'arrive à une place, puis il y en a un, là, un friendzoné. Ouais. Puis lui, le friendzoné, il m'aime pas, là, parce que genre, les filles, ils me parlent un peu, puis vraiment, qu'est-ce qu'il est cool, nickel, tout ça. Finalement, c'est lui, le friendzoné. Il est pas franchi à friendzone, ils connaissent pas assez. Mais c'est ça, mais celui qui t'aime pas là-dedans, il y a juste un problème de confiance. Oui, c'est sûr que ça. Mais en même temps, mais c'est vrai. Mais il comblait son rôle déjà. T'sais, moi, j'arrive et je manifeste une menace face à son rôle que lui a déjà établi. T'sais, il n'aura pas besoin de se poser de questions. Si t'es une menace, c'est que lui, il est quand même fragile. Tout à fait. Parce que, mettons, je pense que mettons, tu mets dans un groupe d'amis, mettons, le mâle alpha de la place, il y a une autre personne qui arrive qui essaie de voler son rôle de mâle alpha. Mais le gars, il a confiance en lui. Là, il est mâle alpha. Je pense probablement que le mâle alpha, c'est celui. C'est le mâle alpha que t'as confiance. C'est une vraie confiance, c'est que c'est correct. Il y a une autre personne qui est hot. En fait, c'est juste tant mieux. Un mâle alpha ne se sent juste probablement pas en danger, peu importe ce qui l'entoure.
Mais ça peut, dans l'exemple où est-ce que toutes les mâles alpha rats se ramassent dans la même cage, il y en a un qui se démarque. Il y en a un qui se démarque. Exact. Mais c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui fait que celui-là se démarque en particulier. Puis les autres. Les étapes, ils se sont pognés un peu. Ils se sont pognés pas mal. À un moment donné, ça s'est pissé dans sa boue. Moi, mon père, exact. Les délais étaient beaucoup plus longs. Mais le résultat final faisait que ça. Je trouvais ça vraiment intéressant de savoir. Ce qui est intéressant, c'est que physiquement, il y a chez l'être humain, genre, il y a une personne qui peut poser comme étant genre le mâle dominant, que ce soit physiquement, genre mettons des personnes qui sont pas tellement grandes, mais qui font par exemple du bodybuilding. Ouais. On en a toujours vu. Ou du Muay Thai, dis-le, calice. Non, c'est pas ça que je voulais dire, mais en tout cas, écoute, tu t'es dénoncé. Non, mais là-dessus, moi, j'ai commencé à écrire de quoi là-dessus sur la fierté des sportifs. Ouais. Comme quoi que moi, j'ai la même fierté, mais juste mis vraiment ailleurs. Parce que l'autre fois, je marchais dans les marches du métro. Puis l'escalier roulant, il y avait trop de monde. Je passais par les marches normales. Mm-hmm. Puis j'ai monté comme 2-2. Okay. Puis là, il y a un dos dans le cuissard qui arrive à côté de moi. Non, il était 2-2, mais il était genre... Ouais. Vraiment intense, puis il me checkait. Il faisait des bruits de patins. Là, il respirait. Ouais. Là, puis c'était dur. Là, on arrive en haut des marches. Puis il y a une complicité avec moi, il est comme « Man, nous, on est en forme, là. Nous, on est en forme, pas comme eux autres. » Puis la seule chose que j'ai dit, c'est « Ouais, OK, mais t'as-tu du feu? » C'est drôle, ouais, c'est bon. Moi, c'est de ça que je suis fier, pas d'avoir monté les mains. J'essaie de trouver un exemple dans l'individualité. Là. C'est y a juste l'idée en tête à date. Mais c'est ça, mais chez... Mais chez... Fuck you, nerds! Hey, guys, on a gagné! Mais chez l'humain, ça simule, tu sais, d'être le mâle dominant dans le sens où tu peux te faire genre un physique imposant pour pouvoir avoir l'impression d'être dominant. Mais, ou t'acheter un fusil, absolument. Mais chez les animaux, c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment le caractère qui fait toute la patente. Puis ça se fake moins bien. J'ai vu des troupeaux de chevaux. Parce que mon ex, elle trippait beaucoup sur les chevaux. Puis elle avait une demi-pension. Bref, il y avait beaucoup de chevaux dans un enclos. Mais le cheval dominant, c'était un poney. Okay. C'était le plus petit cheval de toute la gang, mais c'est celui, c'était le style enfoiré, OK? Il mordait les autres, puis genre, toute la gang en avait peur, OK? Mais il était tout petit, genre. Fait que c'était, c'était pas un âne. Au moins, hey, Chris, hey, le Mexicain, style de retenue, c'est pas vrai. Mais l'âne, c'est juste le retard. Ouais, c'est ça. Ton cheval dominant dans ton enclos, c'était genre le trisomique. Mais c'est là. Mais où est-ce que je vais en venir, c'est que ça se fait bien quand le même. Oui, à ton école primaire, c'est le trisomique. Ah, c'est comme si il cogne tout le monde en face. Ah, wow. Avec sa tête. À mon école primaire, il y a d'abord des boulets. Il n'y a pas tout le monde. Il t'attrape par les poignets, puis tu fesses dans le face. Avec sa grosse tête solide. Mais où est-ce que je veux en venir, c'est que c'est facile, que chez l'être humain, ça se fake, tandis que dans le règne animal, c'est plus difficile. Fait que genre, il y a des gens qu'on voit comme étant des semi-mâles dominants, entre guillemets, là, surtout plus jeunes, on se laisse influencer facilement par ça. Mais c'est genre, ça existe des fake mâles dominants aussi, là. Genre, ça existe. Mais des gens très insécures. C'est une vraie attitude. Plus, c'est une parenthèse, puis c'est un changement de sujet, mais qui reste dans la même zone. Je sais pas si tu as déjà vu le film Rawr, mais pas l'affaire d'Homme des cavernes. Ouais, tu me le montres. J'en ai parlé. Oui, le truc. Les lions, avec les lions. Ah, c'est fucké. Toi, j'en ai jamais parlé. C'est un dude qui a décidé de faire un film. Puis lui, il a juste acheté des lions de des zoos. Genre 50. Genre beaucoup de lions. Des tigres aussi. Des tigres. Plein d'affaires, mais même pas dressés. Ouais. Il était comme, alright, on va faire un film. Il a engagé des acteurs, sauf qu'il met les acteurs avec les lions pas dressés puis les tigres. C'est le film le plus dangereux à tourner parce qu'à chaque tournage, des fucking lions. Puis à un moment donné, t'as des lions puis les tigres qui se battent. Puis là, lui, le petit malade mental, il arrive puis il va séparer le combat.
Ah, ben genre, oui. Il est pousse, c'est quoi, il s'est griffé. C'est quoi? Mais les lions avaient du respect pour lui après le combat. Ouais, parce ouais. que il est à moitié mort, pis comme. Non, mais il y a un caraman qui s'est fait scalper, lui. Il est Que le tabarnak. Il a les jambes pétées, mais il faut que je le montre. Ouais, clairement, je vois ça. C'est genre, c'est quoi déjà? C'est R-A-O-R. Movie sur YouTube. Allez voir ça, c'est ça. Vous allez chier à terre. Puis il y a un bout qui est quand même un peu mignon. Lui, il sort tous les lions dehors. Puis t'as un petit lionceau qui reste là. Puis lui, il veut pas sortir dehors. Puis lui, il dit « Hey, go, va rejoindre tes amis dehors. » Puis lui, il est comme « Non! » C'est comme si t'entendais le « Non ». Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est le beau bout. Après ça, il se capte des caméramans. Mais ouais, tous les acteurs se font attaquer. Genre, parce que je savais que j'allais oublier c'était quoi c'est le bon bout. C'est l'important. Bon, ben je pense qu'on va closer ça là. On finit pas sur le film de Lyon. Là. Chris, fait on peut pas closer quand quelqu'un est aux toilettes. On continue. Qu'est-ce qui s'est passé au décon? C'est qui veut m'écouter rentrer. C'est une anecdote avec des lions autour. Il y en a deux. Non, c'est pas. boy, mais tu sais, voir, Non, elle parle pas de Sandy Nichols. Non, mais il y en a plein de trucs, là. Ça dépend de quel genre d'affaires que tu veux, là. Je peux te compter. attends, la pire réplique que je me suis fait dire de ma vie. Une bonne anecdote qui peut vas-y, être. Vas-y, c'est une idée, vas-y. C'est quelque chose en tête. Premier du mois, dans le quartier, même genre d'époque quand je travaillais dans le bar moins huppé. Oui. Bon vieux Nichols, place Versailles, en fait. Puis, je parlais des dents que les gens se partageaient, là, mais ouais. Premier du mois, là, quand t'avais un dentier au complet, c'était particulier. Ooh. Puis là, j'arrive à la table, tu sais, puis on parlait de mes cafés que je buvais, tu sais, je t'allumais en esti, là. Ouais. T'allumais moi deux cafés, je t'allumais comme d'autres gens sur d'autres gens, d'autres, tu sais. Puis j'arrive à la table, puis bonsoir! Puis là, elle me dit, les mots encore une fois, hein, c'est immortalisé. Ton fish and shit, y es-tu frais? Et là, et oui. Alors moi, j'ai répondu, non seulement il est frais, mais on le pêche à la main dans notre bassin à l'arrière à tous les matins. En regardant son partenaire de vie, tu sais, avec un gros sourire. Puis tu sais, on apprend à exagérer nos expressions pour mieux se faire comprendre de l'inconnu, tu sais. C'est quoi? Puis là, il se regarde, puis il y a une réflexion, puis il dit, ah ouais, vous avez un bassin à l'arrière. Oh, tabarnak! Fait que là, c'est plusieurs choses, ça. Premièrement, le fish and shit est une type de poisson qui vit pané, pas de tête, dans l'eau, des bassins à l'arrière des restaurants. Dans un container plastique. T'sais, le fish and shit consomme... un, deux. Puis il était convaincu. Le plus je savais plus s'il fallait que je poursuive le gag ou pas, tu sais. Parce que là, tu sais, c'était comme, tu sais, c'était des clients que je connaissais à côté qui ont fait comme ah, il est tellement drôle, lui. L'autre est plus parlable, tu sais. J'ai pas pu. Non, le fish and chip, by the way, c'est de la sole. La sole, c'est pané. Le fish and chip, c'est le fish and chip. C'est ça. Il a fallu justifier. Puis ils m'ont juste pas écouté. Puis ils étaient blancs. Finalement, ils ont pris le plat le plus gros. Fish and shit. Ouais, c'est fish and shit. Tabarnak, est-ce-tu? Attendez, madame, vous en faites sûr. Justement, j'ai offert 100$ à quelqu'un pour cacher dans une assiette. Tu regardes, tout le monde, ils sont attentifs. Fish and shit, c'est HIT. Ben, en fait, comme, c'était plus un. Je l'ai mal dit, c'était un fish and shit. C'est un mot, là. Ouais. C'est un mot francophone. Fish and shit. C'est un poisson pané avec de la sauce à poutine dessus. C'est ça, exactement. Ouais, j'imagine ça comme le ride true, là. T'sais. Ouais, ou le fifth wheel. Fifth wheel. Un fifth wheel. Bien, c'est ce mot-là, j'ai jamais compris. Fifth wheel? Ouais, fifth wheel. Cinquième roue. Un fifth wheel. Le fish and shit. C'est la seule personne qui a la culture générale qui apprend quelque chose. En plus, c'est clairement un fucking décevant. J'aimerais ça. Ouais, mais j'aimerais jamais arrêter là-dessus parce que Chris, quand je parle à du monde qui parle anglais, ils me disent pas fifth wheel. Je sais. Tu tiens pas non plus avec des gens de 50 ans, là. C'est normal que fifth wheel n'arrive pas dans la conversation souvent. Fifth wheel, moi, j'ai jamais entendu. Là, tu dis ça, genre, les 8 prochaines conversations qu'il va avoir, ça va parler. C'est sûr,
Girl. C'est ça. Oui, le journal de Fifth Wheel. Vous dire Fifth Wheel? Oui. Lui, il pensait que c'était genre un type de transport vraiment homophobe. Fifth Wheel, avec Chris, là. C'est quoi, c'est genre un vélo avec des grosses roues? Des belles grosses roues pleines de sueur. Des grosses roues bien huilées. Ça doit être un tandem certain, ce cas. Ah oui, oui, oui. Un tandem à Saint-Roux. Oui, absolument. Ben, écoute, c'est sur un... On aurait dû closer sur les lions. Oui, on aurait dû closer sur les lions. Je pense que oui, je pense que oui. Oh, oui. Ben, ça va closer au pire sur un beau gag un peu saveur homo-érotique. Si ton gag ne marche pas, je peux citer un gag de Dave Attell, que c'est mon préféré. Non. Oui. Bon, merci. OK! Vas-y. Non, mais c'est pas un de mes gags à moi. Okay. C'est important à dire. C'est un gag qui est dans le genre de headline de Dave Attell, son 40 minutes qu'il y a sur qui YouTube. Qui a volé à GF. Puis, non, mais le zéro volé, c'est son gag à lui, esti. Ben oui. Puis son gag, en fait, c'est qu'il dit que lui, quand il était petit, son père le battait. C'est ce que tu vas dire. Puis okay. son père, il disait tout le temps, là, yeah, c'est pas que je veux te frapper. C'est juste, c'est le seul truc qui me fait encore bander. Oh, ta farbe! J'aime ça! Passez une bonne semaine, dit, c'est pas vrai, j'ai pas de père. J'ai jamais connu mon père. Avez-vous des chiens à plugger? Non, mais moi, j'ai quelque chose de gros qui s'en vient pour cet hiver, mais je vous dis ben pas oui, encore... Ben oui, Chris de trou de QST, il nous le dira pas encore. Suivez ma fanpage à janvier, je l'annonce, mais sinon, je le dis pas à personne. Même eux, ils le savent ben pas. Ben oui, c'est aller le voir au jfletroudecu.com. Ben oui, il va faire la première partie de Lil Wayne, guys. Ben oui. C'est pas ça, c'est quelque chose de vraiment plus haut que ça. Ouais, Sean Paul. Sur Let It Rock. Tchaïkovski. Suivez ma page, ça s'en vient. C'est tout. Sinon, tabou, cuisine rebelle. Allez, likez Tabou Cuisine Rebelle, page Facebook. Allez, l'essayer. Je suis curieux. Je suis en étape des fois. Je vais être là. Je suis en présence à salle à manger, mais je ne servirai pas. Je ne ferai pas le service. Hey, mon gars, tu ne seras plus capable de faire le service. Là. Ça va te déranger à tour de bras là, avec l'auditoire. Ouais. Ah, écoute, ben, on est 2 millions de personnes. Likez la page Instagram. On est très présents sur les réseaux sociaux. Si tu rencontres des gens un peu célèbres comme Annie Broccoli la semaine dernière. Oh, t'es talonneur. La femme qu'on mais ça a piqué ma curiosité, par exemple. Je serais bien Instagrammeur, influenceur. Ah, il est cool pour vrai. C'est une star après l'autre. Genre comme 15-20 sortes de poutine. Ouais, ben 45 choix de mini burger, 180 possibilités de tartare. Oh, shit. 180 possibilités. On est honnêtement 90% clientèle féminine entre 18 et 25 ans. All right, I'm in. Je suis convaincu. Question. Je sais si je mets mes économies. 180 versions de tartare. Est-ce que tu comptes le poivre, genre, des shit de mer? Ben, mettons, tu divises par 3, parce que c'est le nombre de c'est les portions de 4 saisons. Fait que c'est 60 vraiment. Ah, mais OK, c'est 60 vraies recettes. C'est 60 vraies, mais tu sais, après ça, avec tes. Comme vu que tu peux l'adapter puis choisir le métro petit. Mais c'est intense quand même. C'est vraiment intense. Ça fait bien du stock. Puis, non, c'est vraiment intéressant. C'est la belle petite cuisine à encourager les produits québécois. On est c'est que québécois, puis c'est vraiment chouette. Venez essayer. Absolument. Mais merci beaucoup d'être venu. C'est où ton reste? Ouais, c'est cool. Énormément. 20-25 Drummond. C'est la station Peel à une minute de la station Peel à pied. Yeah! Est-ce que c'est en avant du Centre Bell? Non, mais on n'est pas loin. Donc, on sert souvent le Centre Bell avant. Le monde va voir le Canadien. Ah, effectivement. Le monde peut aller bouffer. Sinon, là, aller à 5 piastres de rabais si tu montes tes billets du Habs. On a le jeudi, Femme au pouvoir, que c'est 50% pour les filles toute la soirée. On a DJ du jeudi au samedi. On a DJ Khaled! Participe à Montréal à table. DJ Khaled! Oui. Ah, mais merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. C'est énormément, c'est merci tout le monde d'avoir écouté. Bonne semaine. Merci. Stay trash fuckers.